population de Yopouko. Yes. Vous avez entendu, nous avons parlé. Et nous insistons toujours en disant, quiconque n'entend pas et ne comprend pas nos paroles, celui-ci est privé de la Pentecôte. C'est ça. Il ne peut pas hériter le royaume des cieux. C'est ça. Mais nous sommes convaincus par la... Il y a certainement parmi vous des hommes prédestinés au salut. Amen. Alors, dans ce discours que nous sommes une armée, et à la tête de cette armée, il y a un homme. Nous ne sommes pas des gens désordonnés, voilà. Comme des gens qui viennent dans un, qui vont boire pour venir casser la tête du pasteur. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu de paix. Amen. Et non de paix. C'est pourquoi c'est à la fin du culte que nous savons boire, mais pas à la fin. C'est à la fin du culte que nous savons boire, pas à la fin. Prédicateur sur le ciel. Elle a posé toutes choses, chaque chose dans son temps. Amen. Poisson dans sa suie, pour qu'il vienne boire pour aller au culte. Amen. Amen. Comme quand il y a un poids pour aller au culte, là, toutes les poissons de quoi ils vont s'envoler. Okay. Mais après mon culte, là, après mon service divin, et après avoir accompli ce que dit Matthieu chapitre 17, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Après, je fais quoi? Alors, culte, laisse la place à mon pasteur, au guide général, chef dehors de la Tchétchou. J'ai appris les merveilles que le Seigneur a accomplies par toi. C'est avec satisfaction que je vois le souvenir se reproduit. Oui. Toi. Ouais. Ouais. Hein? Ouais, Charles Frère. Charles. Ouais. C'est pour demander si c'était prêt. Oui, on te fait ça. Ok. Ok. Donc, j'attends. C'est d'aller se bâtir une tanière, une résidence à Rome. J'ai nommé l'Église catholique romaine. C'est la plus grande prolifique production de Satan sur la terre des hommes. Alléluia! Abat le christianisme alimentaire, les pasteurs marmailleurs, les grillés d'arachide, les vendeurs d'huile d'olive. Abat des vendeurs de rubans rouges. Abat le pèlerinage en Israël. Tous ceux qui se préparent à aller en Israël pour aller faire pèlerinage, vous êtes des païens. La Bible dit Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité d'entre les morts. Vous chantez Jésus est ressuscité, vous partez chercher quoi dans le tombe. Allez-y, en même temps, dormir au cimetière, c'est mieux. Bande de féticheurs. Alléluia. En vérité, en vérité. Une communauté dans laquelle on enseigne, oui. Ou bien un soi-disant pasteur qui enseigne, oui. Que lui l'a reçu, hein? La révélation, oui. Que les fidèles maintenant doivent mettre leurs pieds sur cailloux la nuit, attention. Pour recevoir de Dieu la bénédiction, oui. En vendant des cailloux à leurs fidèles, c'est un pasteur bandit, c'est un délinquant en costume, c'est un voyou en posture de pasteur. Tous ceux qui vendent au béni du puits de Jacob, oui. Vous êtes des malfrats. C'est ça. Je vous dis un peu quelque chose. Oui. Les gens avaient en eux le sang et l'esprit de vol, de la délinquance et du banditisme. Mais comme à ciel ouvert, cela va être un objet de poursuite judiciaire, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le nom de Jésus. Et en bas du nom de Jésus, ils font la marmaille. C'est
Ils volent, ils pillent, le peuple aspire. Et ceux-là aussi sont appelés hommes de Dieu. Alléluia. Ce sont des bandits des grands chemins. Je suis là ce soir pour apporter un correctif. Parce que j'ai dit qu'un chrétien, avant d'épouser une femme, doit d'abord la connaître. Il doit d'abord voir sa nullité. Avant de s'engager dans cette affaire, de prendre l'engagement de la marier. Toute la Côte d'Ivoire a crié au scandale. Les gens ont dit, mais c'est quel pasteur ça? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai entendu certaines personnes dire que quand ils ont entendu ça, même quand ils ont vu ça dans les journaux, ils se sont désabonnés de ma page. Mais est-ce que c'est moi qui vous ai dit de vous abonner? Je ne suis pas à la recherche des abonnés. Mais je suis à la recherche des fils et des filles de Dieu. Des semences prédestinées à la vie éternelle. C'est pour eux que nous travaillons. Nous ne cherchons pas de faire de baisse. C'est pourquoi depuis des quinzaines d'années, nous ne cessons de répéter la même chose. Si pour vous, ce matin, vous avez découvert que nous sommes là, faites très attention. Nous ne sommes pas à la recherche de fidèles. Tous ceux qui cherchent fidèles, vous savez très bien comment ils font. C'est parce que menteur, même si je suis resté seul, et que je suis convaincu qu'en mourant, je vais voir le Seigneur Jésus-Christ, c'est le plus important. Abat le pasteur Marmailleur. J'ai entendu qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé contre moi. Et que je suis porté disparu, je suis vivement recherché. À toi qui me recherches, je suis aujourd'hui à Fugayo. Je n'ai pas peur de ce que je dis. Et j'assume pleinement tout ce que je dis. Je ne suis pas un lâche. C'est pourquoi mon nom ne sera jamais associé au vol et au pillage du peuple, à la délinquance spirituelle, au banditisme et à l'escroquerie. Tu te promènes et tu dis je cherche Gédéon, mais à chaque fois qu'il doit me déplacer, j'annonce cela. Je voulais aussi apporter une information. Parce qu'il y a plein de frères qui m'ont appelé pour dire qu'il y a un individu qui s'est assis après avoir volé et escroqué les gens, il a mangé, il est rassasié, et son ventre comme une vipère qui vient d'avaler la paix. Et il s'assoit dans son talet, dans son salon, avec une tête comme Petit Cola, qui s'assoit dans son salon, et il dit, lui, il s'assoit après avoir mangé et bu, parce qu'il vient d'escroquer le peuple, comme un chef de guerre qui vient de dépouiller une population. Il mange, il est rassasié, il a bu, et il s'assoit pour dire, lui, il a fixé une date dans un hôtel que lui paye pour moi, je dois m'inviter là-bas. Je ne suis pas ton camarade. Je ne suis pas ton ami. Je suis un prédicateur de l'évangile. Toi, tu es un bandit. Je ne suis pas ton ami. Je ne veux pas partir de ton club de marmailleurs. Je suis un prédicateur de l'évangile. Jamais de la vie, je ne répondrai à l'invitation de qui que ce soit. Celui qui a besoin de moi là, il n'a qu'à me trouver là où je suis. J'ai appris même que d'autres disent que si je ne vais pas à ce rendez-vous là, partout où je vais organiser, ils vont atterrir là-bas. Mais je veux que vous veniez publiquement, c'est ça même que je cherche. Venez publiquement ici à Fugayo et partout à Abidjan, dans les lieux publics. C'est là que je vous attends. La personne n'aura micro de qui que ce soit. Parce qu'il y a plein qui m'ont appelé pour dire on va organiser quelque chose pour t'empoisonner. Mais l'homme ne meurt qu'en son temps. L'homme ne meurt qu'en son temps. Je prêcherai publiquement dans la rue. Celui qui croit que je suis en train de prêcher du faux et qui est intéressé, qui me rejoint dans la rue. Je n'ai pas besoin de fixer une date et un rendez-vous avec un individu. Non! Je ne suis pas votre ami pour fixer un rendez-vous et moi m'inviter à m'imposer ça. Je ne suis pas votre camarade. Ce que je fais là, ça vient de Dieu. Alors toi qui n'es pas content et qui penses que je mens, trouve-moi dans la jungle. Alléluia! Alors tous ceux qui ont entendu qu'il y a un 28 ou bien 29 ou un 30, de quel mois je ne sais quoi, que Gédéon serait invité, je n'ai pas été jamais, et jamais je n'ai été invité par qui que ce soit, et je ne répondrai à l'invitation de qui que ce soit. Parce que je ne suis pas le subordonné d'un délinquant. Pour fixer une date, moi je dois m'imposer ça. Ah ouais. Toi tu es qui? Tu es qui pour moi m'imposer une date? Chaque jour, je suis dans la rue. Chaque semaine, je suis dans la rue. Le jour où tu finis d'escroquer les gens et que tu as mangé, tu es rassasié. Le jour où tu veux vomir et que ta mentalité, ta conscience veut changer, tu me trouves là où je suis. C'est
Quand tu vas me trouver là, tu vas faire marche arrière. Et ça sera suivi en direct. Tu viens publiquement ici avec tes caméramans. Moi aussi, je suis là avec mes caméramans. Et le monde entier va suivre. Et ça ne sera pas une affaire où tu dis, tu vas m'appeler. Je ne te demande même pas de m'informer même. Si tu apprends que j'ai fait annonce de venir évangéliser dans tel coin, il faut débarquer là-bas. Quand tu vas arriver là, toi-même tu seras, quand tu arrives, mais tu ne seras pas, quand tu vas partir. Alléluia. Parce que ce jour-là, ça ne sera pas une histoire de salle consacrée d'Israël. Ça ne sera pas une affaire de demander l'argent pour dire, on va aller en pèlerinage en Israël. Mais ça sera ce jour-là, verset biblique contre verset biblique. Verset contre verset. Test contre test. Et ce jour-là, tu verras clairement que tu n'as jamais été en réalité ce que tu penses être. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui dit le pasteur et qui n'a jamais parlé de la Bible. Vous êtes des grillés d'arachide. Bande de païens notoires. Alléluia. Je suis Gédéon de la Tchétchouva. Tu vois. La voix de la révolution chrétienne. Je ne suis pas mélangé au pasteur grillé d'arachide. Jamais mon image ne sera associée aux pillards du peuple. Mon image ne sera associée aux escrocs du peuple. Mon image ne sera associée aux anarchistes du peuple. Alléluia. Alors, je reviens maintenant pour vous dire ceci. Comme j'ai dit, un chrétien ou un homme avant d'épouser une femme, il doit d'abord aller avec elle. Et le journaliste m'a prêté la main en disant, la goûter. Quand les gens ont entendu goûter, ils sont scandalisés. Il dit, mais ça c'est quoi ça encore? Quelle histoire de goûter femme? Et j'ai été joué par beaucoup de femmes. Vous dites, Gédéon, tu veux gâter notre foyer. Tu veux gâter nos foyers. Tu nous mets un mal. Non, ne tremblez pas sur vos bases. La Bible dit, celui qui repart avant d'avoir écouté, fait un acte de folie. Combien d'entre vous ont acheté ce journal-là pour le lire? Le journal d'Allopolis, combien d'entre vous l'ont acheté pour le lire? Vous voyez un titre, vous ne prenez même pas le temps de lire ce qui est dedans et vous commencez à vous agiter. C'est ce que j'ai toujours reproché aux Africains. Nous n'aimons pas lire, nous sommes paresseux. Et ceux qui lisent là ne nous rapportent pas les faits tels qu'ils se sont déroulés. C'est le mal de l'Africain, des fainéants, des paresseux. Vous n'avez même pas lu le journal. Et en même temps, ils ont commencé à me condamner. Maintenant, vous m'avez condamné. Et parce que vos intimidations, vos paroles pour m'influencer vont me faire reculer, c'est maintenant que je vais dévaler la chose. Yeah. Alléluia. Yeah. Effectivement, un chrétien, oui. Un garçon avant d'épouser une femme, oui. Se doit d'abord de la goûter. Yeah. Yeah. Et prenez ce verset. Je vais vous faire un exposé de 10 minutes et vous allez comprendre. Parce que les gens ont peur. Nous n'avons pas peur de dire ce qui est écrit. Et non, ce que tu as fait là, c'est le désordre. Maintenant, entre moi qui ai fait la lecture et Dieu lui-même qui a donné la parole. Si vous pensez que c'est le désordre entre nous deux, moi le lecteur et celui qui est l'auteur du test, qui est celui-même qui orchestre le désordre. Avec ces femmes aux esprits, rempli du mal, ces femmes qui ont roulé jusqu'à dans les rues, qui sont devenues des spécialistes dans la roubladise sexuelle. Ne me provoquez pas, parce que je sais de quoi je parle et je sais sur quoi je me tiens pour parler. Des femmes qui ont roulé dans la roubladise sexuelle et elles sont fatiguées. Le pasteur a dit, tu veux te marier, viens à Jésus. Et elles sont venues à l'église. Vous pensez qu'elles sont venues à Christ? Mais elles sont venues avec un agenda caché dans le dos. C'est le mariage. Des vieilles femmes. Et des femmes même, elles-mêmes qui ont vécu des expériences qui dépassent leur génération. On va les prendre et les imposer par prophétie mensongère. Dieu m'a dit que voici ton mari. Ça ne va plus marcher, nous de notre vivant. En tout cas, dites à vos fidèles de ne pas nous approcher. Mais ce qu'on dit là, va les trouver là-bas. Et nous continuons de parler ainsi jusqu'à ce que la terre découvre que vous êtes des menteurs. Alléluia. Nous allons commencer par quelque chose. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, la Bible dit, avant d'accepter Jésus, puisque la Bible dit Jésus est le Père qui est descendu du ciel, n'est-ce pas? Jésus-Christ est le Père qui est descendu du ciel. Avant de le manger, de l'accepter, il faut le goûter d'abord. Si Jésus lui-même doit le goûter, elle est comment pour ne pas qu'on le goûte avant de s'engager?
Mais ces femmes-là cachent quoi même? Et puis elles veulent pas qu'on goûte. Hein, non. Donc, femme est devenue manger maintenant. Mais dans la Bible, il y a plusieurs sortes de manger. Il y a manger avec la bouche. Et il y a un passage aussi qui dit l'homme ne vivra pas seulement de pain. Ça, c'est notre nourriture. Mais en Éden, la Bible parle de Ève qui a mangé avec son mari Adam. Et l'écriture continue pour dire, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et c'est sur la bouche. Donc il y a plusieurs bouches. Et je vais vous faire l'étalage de ces trois bouches. Et c'est de quelle façon de goûter dont je suis en train de parler. Effectivement. L'homme doit palper d'abord la femme avant de s'engager. Vous avez peur. Mais vous allez sentir la vérité. On va lire les écritures. Il n'y a pas un pasteur ici en Côte d'Ivoire qui peut rentrer dans la Bible et me ressortir des preuves contradictoires sur l'exposé que je vais faire maintenant. Il y en a pas. Nous lisons Pierre, chapitre 2, le verset 3, commencé par le Seigneur Jésus. 1 Pierre 2, 3. 1 Pierre 2, 3. Oui. Si vous avez goûté. Écoutez bien ce passage. Jésus lui-même, on doit le goûter d'abord avant de s'engager. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui. Ah bon? Ah bon? Mais pourquoi moi je ne dois pas? Jésus lui-même qui est Jésus là. Avant de s'accrocher à lui, il faut le goûter. Vous voyez le mot goûter là comme un mot profanatoire ou bien quoi? Pourquoi ça vous scandalise même? Pourquoi ça vous scandalise? Moi je vous parle du mariage selon la Bible. Je ne parle pas de vos arrangements que vous faites dans les églises. Mais je parle de ce que la Bible a dit. Même l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, avant de l'accepter, il faut d'abord écouter. Il faut examiner. Maintenant, si tu es convaincu, tu dis vraiment Jésus, tu es le vrai. Et je t'accepte. Et si l'Écriture dit, si vous avez goûté, si vous avez goûté, que le Seigneur est bon, que le Seigneur, on doit d'abord goûter. En goûtant, c'est le fait d'écouter, d'attendre, d'examiner l'évangile que Jésus a donné. On ne doit pas s'engager comme ça dans le bia. Qui jamais peut monter dans un baka sans une fois demander si ça va à Makori ou bien ça va à Yopougon. Qui peut arriver à l'arrêt d'un bus sans une fois demander si ça va à Kumasi ou bien si ça va à Bobo et puis tu vas monter dedans. Il faut d'abord prendre les renseignements nécessaires. Il faut être convaincu que tu vas arriver à destination. Vous empêchez les gens de marcher dans la vérité. Ils se marient aujourd'hui jeudi et le lundi soir, il y a divorce. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, toi-même la femme qui veut te marier, s'il savait que l'homme qui s'est caché, camouflé depuis longtemps vis-à-vis de toi, s'il savait que c'est un homme qui est impuissant, tu vas faire quoi? C'est pourquoi dans ces églises-là, il y a toujours problème d'adultère, adultère, adultère. Parce qu'ils ont empêché cette dernière-là de découvrir d'abord l'homme lui-même et la femme de se découvrir avant de s'engager. Maintenant, après s'être engagé, c'est un homme qui n'a jamais fait sport. Il est rempli de graisse. Un hémorroïdeur patenté. Son moteur même là a du mal à décoller. Et quand ça démarre aussi, il faut pousser ça. Et quand une fumée noire finit de sortir, c'est mort. Il faut attendre encore la même période de l'année prochaine pour encore pousser pour que ça démarre. Comme ça, elle va commencer à chercher les petits du quartier. Et on va dire la commis adultère. En réalité, elle n'a pas commis adultère. Mais c'est le pasteur qui est la base de cela. C'est le pasteur qui les avait empêchés de se connaître là. Et qui les a étouffés dans ça. C'est lui qui est la base de ce péché. Alléluia. La virginité est très importante. Les gens ont peur de dire les choses par leur nom. Mais c'est ce que la Bible a dit. Nous allons lire. Nous commençons. Oui. Si vous avez goûté. Si vous avez goûté. Que le Seigneur est bon. Que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. C'est en ce moment-là qu'on doit s'approcher du Seigneur. Parce qu'on a vu vraiment, on l'a goûté, on a vu qu'il est bon. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Même au sujet de l'évangile qui est prêché. Quand un serviteur de Dieu prêche, quand un prédicateur, un évangéliste, un envoyé en train de prêcher, il faut d'abord écouter, il faut vérifier. Vas-y. 1 Jean 4, premier. Oui. Bien-aimé. Bien-aimé. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Éprouvez, il faut d'abord éprouver. Même dans le domaine spirituel, on doit éprouver d'abord. Pour savoir. S'ils sont de Dieu. Il faut d'abord être convaincu que la chose est venue de Dieu. Il y a plusieurs faux prophètes. Alors, il y a plusieurs faux prophètes. Ils sont venus dans le domaine de la foi même d'abord, spirituel. On doit d'abord vérifier. On doit être sûr que c'est le bon chemin. On doit être sûr que c'est la bonne voie.
on doit être sûr que c'est la vérité authentique venue de Dieu avant de s'engager. Or, le problème du sexe et de la spiritualité rime ensemble. Les deux vont de pair. Je vais vous expliquer. Vous-même, vous allez comprendre. Exode. Mais avant Exode, commençons par Deutéronome. Deutéronome 22, 13 à 21. Voici la loi de Dieu selon laquelle en Israël, on doit épouser une femme. Mais ne soyez pas troublés. À la fin de mon exposé, je ferai une plaidoirie. Mais il faut qu'on soit d'accord d'abord sur la vérité de Dieu. Oui, frère. Deutéronome 22, 13 à 21. Deutéronome 22, 13 à 21. Si un homme. Écoutez très bien à mes détracteurs, à ceux qui ont des trois cris. C'est quoi ça encore? C'est quoi ça encore? Si un homme. Qui a pris une femme. Qui a pris une femme. Et allé vers elle. Et allé vers elle. Éprouve ensuite de la version pour sa personne. S'il éprouve de la répugnance pour sa personne. Et s'il lui impute des choses criminelles. Si ce dernier impute à cette femme des choses criminelles. Et porte atteinte à sa réputation en disant. En disant quoi? J'ai pris cette femme. J'ai pris cette femme. Je me suis approché d'elle. Pour ne pas qu'une femme soit répugnante. Pour ne pas qu'elle soit en aversion. Pour ne pas qu'elle soit incriminée dans une relation. Pour que la loi de Dieu l'oblige à la prendre. Écoutez ce que la Bible dit. Oui, frère. En disant. J'ai pris cette femme. J'ai pris cette femme-là. Je me suis approché d'elle. Je me suis approché d'elle. Et je ne l'ai pas trouvée vierge. Ces femmes-là, vous avez peur aujourd'hui parce que c'est le problème de fond qui est là, qui vous fait trembler. Dans vos églises-là, quand vous m'entendez parler de ces choses, vous tremblez parce que vous avez passé tout votre temps à chercher l'argent déjà avec vos fesses. Et tout est déjà fatigué. C'est ce qui vous fait mal. C'est le vrai problème qui est là. Parce que pour vous, quand je vais parler comme ça, les gens vont voir clair. Elles ne vont pas s'engager facilement dans vos églises. Mais disons d'abord la vérité. Maintenant, s'il y a des conseils à se donner en tant qu'être humain, on va en arriver. Mais d'abord, disons la vérité d'abord. Disons d'abord ce qui est écrit. Oui, frère. J'ai pris cette femme. J'ai pris cette femme. Je me suis approché d'elle. Je me suis approché d'elle. Et je ne l'ai pas trouvé vierge. Je ne l'ai pas trouvé quoi? Je ne l'ai pas trouvé vierge. Dans la condition qui garantit ce dernier-là, de la garder, de la prendre, de rester avec elle là. C'est qui doit la trouver d'abord? Vierge. Maintenant, s'il a découvert le contraire là, il a le plein droit de poser plainte. Même en Israël, quand c'est comme ça, ne mérite même pas de vivre. Que la loi soit cruelle. Les gens n'aiment pas la vérité. Oui, frère. Alors le père et la mère de la jeune fille. Le père et la mère de la jeune fille. Prendront le signe de sa virginité. Parce que quand une femme est fiancée ou bien doit rentrer dans une relation avec un homme et que ce dernier venu se présenter aux parents, la première des choses avant qu'il ne s'engage, puisqu'ils disent que leur fille, elle doit se marier, qu'est-ce qu'on fait? On prend deux dames ou bien deux personnes pour mettre un drap blanc sur le lit. On met le drap blanc sur le lit et l'homme et la femme, la jeune fille, montent maintenant sur le lit. Dès qu'il a fait et que le sang a coulé, c'est que c'est lui qui a été le premier à inaugurer. Maintenant, si le sang n'a pas coulé là, et qu'il vient de passer dans un bas-fond, alléluia, et qu'il vient de constater qu'il flotte en l'air comme le drapeau des vainqueurs sur les vaincus, et qu'il constate que c'est comme un fil de courant qui flotte dans un tunnel, là, la Bible dit, il a le plein droit de la laisser aller, la déposer là où elle est quittée. Vous avez peur de quoi? C'est ce que la Bible dit d'abord qui est là. Même si entre nous maintenant, on doit donner des conseils pour ne pas qu'il y ait des débordements dans nos milieux, dans notre société. Mais d'abord, disons ce que Dieu a dit d'abord. Disons d'abord ce que Dieu a dit. Il n'y a pas un pasteur à Côte d'Ivoire ici qui peut rentrer dans la Bible et me sortir le contraire. Jamais. Je ne peux pas trouver. Il n'existe même pas même de preuve. Oui, frère. Alors le père de la jeune fille. Alors le père de la jeune fille. Dira aux anciens. Dira aux anciens. J'ai donné ma fille pour femme à cet homme. Voilà. Et il a pris en aversion. Il a pris en aversion. Il lui impute des choses criminelles. Il
lui épuise des choses, il fait de fausses accusations contre elle. En disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Voici les signes de virginité. Voici les signes de virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement. On va vérifier maintenant, passer aux vérifications de fait. Devant les anciens de la ville. Voilà, on doit vérifier si réellement elle reste fidèle à sa virginité jusqu'au mariage. Vous êtes là, vous êtes promené dans la rue, vous êtes fatigué. Les gens ont eu pitié de vous pour vous prendre, pour enlever sur vous le nom de prostituée. Moi, je vous dis la vérité, vous vous attaquez à moi. Plus on m'attaque, je deviens encore très très menaçant. Parce que vous ne pouvez rien, votre aigrette ne peut rien contre moi. Puisque ce que j'ai dit est dans les Écritures. C'est la loi de Dieu que nous les chrétiens croient. Et non, si c'est le cas là, dans votre église là, c'est grave alors. Mais c'est la parole de Dieu qu'on croit. Ou bien dans ce cas-là, tu as goûté combien avant de prendre. Le problème n'est pas personnalisé. Le débat n'est pas personnalisé. Mais qu'est-ce que la Bible dit? C'est ça. C'est ça d'abord. Voilà. Moi, je peux vous tromper, mais la Bible ne peut pas vous tromper. C'est ça. Moi, je peux mentir. Vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, mais comme vous dites, vous êtes chrétien, vous avez le devoir sacré d'être d'accord avec la Bible. C'est ça. Maintenant, la Bible l'a dit. On doit d'abord passer à l'examen des preuves. Oui, frère, vas-y. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtiront. Oui. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël. Oui. Et ils le condamneront à une amende. C'est à ce moment-là qu'ils vont le condamner. Maintenant. Mais si le fait est vrai. Si le fait. Si vraiment. C'est une adjuvant. Si la jeune fille ne s'est point trouvée vierge. Vous pensez que. Vous voulez dire quoi? Vous allez me dire quoi? Comme au contraire. Vous-même, vous ne lisez pas la Bible. Les seuls passages de la Bible qui vous intéressent, vous, pasteurs de Côte d'Ivoire et pasteurs religieux du monde. Ce qui vous intéresse, c'est paye ta dîme et ton offrande. Apporte dans la maison du trésor. L'argent. Vous et moi, c'est le jour et la nuit. Moi, je parle pour le royaume à venir de Christ. Mais vous parlez pour votre corps qui va aller dans la poussière. Nous deux, nous ne faisons pas le même travail. Je travaille pour le divin séjour des élus de Dieu. Mais vous travaillez pour le ventre sur la terre. C'est votre débat qui est là. Quel pasteur en Côte d'Ivoire qui va me prouver le contraire? Vous vous agitez. Je vous annonce aujourd'hui, s'il y a un pasteur dans la foule qui n'est pas d'accord avec, il faut venir. Mais non, faut pas, tu vas t'exposer. Qu'est-ce que tu appelles s'exposer? Quelqu'un est en train de mentir pour venir dire, faut arrêter de mentir sur la parole de Dieu. Voici la vérité là. C'est ça qui est s'exposer. Et Jésus qui se promenait dans la rue pour prêcher. Toi, tu es plus grand que Jésus. Pasteur peureux. Vautou babylonien. Espèce de marmailleur. Alléluia. Alléluia. Lisez les Écritures, mes enseignements. Mon mode opératoire d'évangélisation. Tout est biblique. C'est ce que la Bible dit que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous faisons chaque jour. Amen. L'autre test maintenant. Exode 21. Ce qui est devant là est cruel. Exode 22. Ce qui est devant là est cruel. 16 à 17. Exode 22, 16 à 17. Si un homme séduit une vierge. Si un homme séduit une vierge. Il n'est point fiancé. Si un homme séduit une vierge. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancé. Ah bon? Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancé. Et qu'il couche avec elle. Qu'il couche avec elle. Il paiera. Sa dot. Parce que les preuves de sa virginité sont avérées. C'est là que la Bible dit, il paiera sa dot. Bible là, ce passage là, c'est pas moi qui ai écrit, c'est pas mon pasteur Agodio qui a écrit ça. Ce passage a été écrit avant que la Bible n'arrive à la Côte d'Ivoire. C'est pas nous, on a ajouté ça. Ça est dans vos Bibles que vous avez, dit pas, vous montez sur les aisselles. Ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Vous ne lisez pas, mais moi je lis. Je lis avec révélation. Amen. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Si un homme séduit une vierge. Qui n'est point fiancé. Qu'il couche avec elle. Il paiera dans ce passage-là. Entre payer doit ne plus coucher. Qu'est-ce qui vient premièrement? Bande de peureux. Vous avez peur parce que les femmes vous dominent. Un pasteur en Côte d'Ivoire ici, quand il essaie de prêcher ça, si sa femme ne l'a pas frappé, il va voir. Des vendus comme ça. Vous avez peur parce que vous êtes des esclaves de femmes. Vous êtes des esclaves. Vous êtes dans le cordeau de femmes. C'est pourquoi vous avez peur. Nous ne sommes pas esclaves de femmes. Nous sommes esclaves du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis esclave de qui que ce soit. Quand vous me voyez, je ressemble à quelqu'un qui cherche un fidèle.
Ah non, ne soyez pas surpris, il fait ça pour attirer le maximum de personnes. Quelqu'un qui cherche le maximum de personnes, c'est comme ça qu'il parle. Non, ne parle pas de cette façon-là. Ne parle pas comme ça. Un pasteur en Côte d'Ivoire ici qui se trompe pour prêcher ça dans son église, sa femme va le frapper. Parce qu'il n'est pas un envoyé de Dieu. Mais nous, nous sommes des véritables serviteurs authentiques de Dieu. C'est pourquoi nous en parlons avec assurance. Parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Des esclaves, des femmes. Oui, frère. Si un homme C'est d'une vierge. Qui n'est point fiancé. Et qu'il couche avec elle. Il paiera sa dot. Donc, c'est après avoir fait le constat que la chose est appropriée, qu'il maintenant s'engage à payer sa dot. Il y a d'autres qui disent, la Bible a dit si. Mais le si là, lis un peu Lévitique là-bas. Lévitique 20. Bon, si c'est parce que c'est écrit si. Parce qu'ils disent que c'est conditionnel. Nous, on n'a pas dit que c'est le contraire. Parce que c'est pas sûr qu'il ne trouve femme vierge. C'est quoi la Bible dit si. Alléluia. Amen. Ou bien c'est le fait que c'est écrit si, pour toi, c'est plus parole de Dieu. Pourquoi quand la Bible dit oui, lis. Lévitique 13. Oui. Si un homme. Ça commence par quoi? Si un homme. Couche avec un homme. Comme on couche avec une femme. C'est une bonne chose. Ils ont fait tous deux une chose abominable. Merci frère. Maintenant le texte dit quoi? Si. Ils seront punis. Attends, le texte a commencé par si. Donc comme c'est écrit si là, donc garçon n'a qu'à donner à son anus, à son ami garçon, il n'a qu'à pomper. Puis ça va pas quelque part. Parce que ça a commencé par si. Bande de sorciers. L'autre encore aussi. Il y a un autre si encore. Si un homme. Prends une femme. La fille et la mère. Oui. C'est un crime. Voilà. Comme c'est écrit ici, faut marier ta femme et puis faut accepter ta belle-mère, tu vas voir. Qui peut faire ça? Comment c'est passé aujourd'hui dans l'esprit de tout le monde? Quelqu'un qui a accepté sa belle femme, sa belle-mère. Parce que c'est écrit ici, donc il n'y a pas de problème. On roule avec. La loi de Dieu reste la loi de Dieu. Amen. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Amen. Le même qui a dit tu ne tueras pas, c'est lui qui a dit si quelqu'un couche avec une vierge, il va payer sa dot. Voilà. Donc, dot vient après avoir couché. Amen. Mais qui est aussi fou que ça? Qui est aussi fou que ça? Question. Qui va acheter une chaussure dans un carton sans toutefois vérifier la pointure? Amen. Dites-moi. Amen. Vous-même là, vous êtes des hypocrites. Attendez, alléluia. Amen. Je vous dis un peu leur problème. Ils sont comme les voleurs. Le voleur est lui-même le conscient qu'il vole. Mais toi qui l'as appelé voleur, là, c'est toi qui es mauvais. Pour lui, tu es mauvais parce que tu l'as appelé voleur. C'est comme ça ils sont. Sinon, tous ceux qui écoutent là, ils savent très bien qu'aucun d'entre eux, sur les 100%, peut-être il y a 1% qui fait l'exception. La majorité de ces pasteurs dans ces églises-là, ces bandits-là, eux-mêmes là, leurs femmes qu'ils ont là, ils n'ont pas commencé à la mairie avant d'aller à l'hôtel. Ce sont des vieux couples, des gens qui se sont bien mis à l'aise avant d'en arriver là-bas. Et ils disent aux gens le contraire. Est-ce que vous-même là, vous n'êtes pas dans ces conditions? Ils sont dedans. Vous êtes dedans? Est-ce que c'est moi qui vous ai prêché ça? Attention. Même dans la tradition même des hommes avant d'arriver même à la loi de Dieu, avant d'aller doter une femme là, chez ses parents demander sa main, c'est que tu es convaincu que c'est pour toi. Voilà. Tu es convaincu que c'est pour toi. Oui. C'est pourquoi, je vous surprends tout à l'heure, dans cette histoire de Marie et Joseph, il y a quelque chose qui vous échappe. Joseph, l'attitude qu'il a eue, le fait que Marie soit tombée enceinte, sans lui là, c'est un problème. Ça veut dire que logiquement, il y a quelque chose qu'il doit faire d'abord. Autrement, il devait la dénoncer comme l'autre a fait. Nous ne sommes pas contre le mariage. Le mariage est une institution divine. C'est une bonne chose. Mais le mariage est basé sur l'amour et la sincérité du principe d'accord entre deux individus, l'homme et la femme, bien sûr, qui est scellé par le pacte du sexe. Sans le sexe, il n'y a pas mariage. Je reprends encore. Le mariage est un principe basé sur l'amour et le principe d'accord entre deux personnes. Entre deux individus, l'homme et la femme, qui se battent là est scellé par le sexe. S'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de mariage. Les gens confondent souvent les cérémonies du mariage et le mariage lui-même. Pour eux, quand ils voient la mairie, là, c'est le mariage qu'ils sont en train de faire.
C'est ça la cérémonie du mariage, la dot et consort. C'est ça la cérémonie du mariage. Mais le mariage lui-même là, c'est quand l'homme déshabille la femme et les deux vont ensemble. C'est ça le mariage. Maintenant, si elle-même elle a déshonoré déjà la chose et qu'elle n'a pas gardé sa chose telle qu'elle était, quand Dieu l'a créée avant son mariage, en ce moment-là, il a le plein droit de la laisser. Ça, c'est ce que l'Écriture dit. Mais je vous ai dit qu'à la fin de mon exposé, je ferai une plaidoirie. Je ferai une plaidoirie. Pour que celles qui pleurent, celles qui sont troublées, ils retrouvent leur esprit. Alléluia. Mais d'abord, disons la vérité d'abord. Oui, frère. Si un homme couche avec une bête. Et là, ça a commencé par quoi? Si un homme couche avec une bête. Sera puni de mort. Bon, comme ça a commencé par si, il n'a qu'à coucher avec une bête et puis ça va pas quelque part. On voit dans ce temps-là, des pasteurs qui combattent dans les églises, qu'il y a les gens qui marient leurs animaux. Nous combattons ça aussi. Malgré c'est écrit si. Donc, si on voit une parole de l'écriture de la Bible qui commence par si, c'est qu'on ne doit pas respecter ça. Arrêtez ça. Arrêtez de pleurer. Et puis, à vous qui vous asseyez sur vos ordinateurs pour raconter des bêtises écrites contre moi là, écrivez seulement. Mais le jour où vous allez tomber sur moi publiquement, vos convictions et raisonnements vont changer. C'est ça. Parce que c'est facile de s'asseoir et puis écrire. Mets tes photos de quelque chose ou bien quelqu'un d'autre. Écrire. Si tu es trop fâché que ton cœur veut quitter pour tomber, trouve-moi publiquement. Ce jour-là, tu vas faire marche arrière. Tu vas reculer. Allez-y, bois belin. Buvez café noir et tapez les commentaires pour m'insulter. Mais prenez un jour courage pour venir, pour me dire en face ce que vous me reprochez. Alléluia! Il y a d'autres qui disent aussi que, mais tu ne crois pas au prophète de ton temps. Qui est le prophète de mon temps? Toi-même qui crois au prophète de ton temps, là, viens. Quand tu vas quitter ici, là, tu vas vomir prophète là. Un sexologue, c'est lui qu'on appelle prophète. Un bandit qui porte un chapeau pour prêcher, c'est lui qu'on appelle prophète. Je vous attends. À vous qui avez connu le prophète de votre temps là, venez me trouver ici. Le jour où vous allez tomber sur moi, vous allez oublier le prophète. Vous serez surpris que je suis au-dessus des enfants de prophètes de leur temps. Moi, je suis un fils de l'éternité. Alléluia. Alors, nous continuons la lecture. Si un homme couche avec une bête, sera puni de mort. C'est bon, frère, parce que ça a commencé par si, on ne doit pas suivre ça. L'homme n'a qu'à coucher avec une bête parce que c'est écrit si. Encore un autre passage. Matthieu chapitre. Oui. Matthieu 1. Jésus d'abord. Écoutez très bien. L'histoire de Marie et de Joseph. Donc le mariage là doit être basé sur l'amour et l'accord entre deux personnes, l'homme et la femme. Et cela doit être scellé par le sexe. C'est ça d'abord. Oui, frère. Voici de quelle manière. Arrivant la naissance de Jésus. Marie sa mère. Ayant été fiancée à Joseph. Se trouva enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit. Écoutez bien. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc ils ne sont pas encore habités. Ensemble. Ok. Joseph son époux. Qui était un homme de bien. Vous qui passez là, tous ceux qui croient. Le chrétien ne peut pas avoir beaucoup de femmes, vous êtes des féticheurs. Amen. Vos pasteurs sont des païens. Oui, frère. Joseph son époux. Qui était un homme de bien. Et qui ne voulait pas la diffamer. Donc, logiquement, il devait la diffamer. Parce qu'elle est censée garder sa virginité jusqu'à coucher avec Joseph. Si ce n'est pas le cas, il avait le plein droit de la laisser. Donc, comme lui, il a eu pitié. Et c'est cette pitié-là que je vais exprimer à la fin pour ces femmes-là. Vous me combattez à tort. Vous partez chercher quoi à l'église même? Vous partez chercher quoi à l'église? Vous ne connaissez même pas la Bible. Moi, je vous dis ce qui est écrit. Vous aimez le mensonge parce que vos pasteurs, quand ils vous trompent, ils vous blaguent. C'est ça que vous aimez. Maintenant, viens apporter ton offrande prophétique. Viens faire consultation prophétique. Tous ceux qui font consultation prophétique, vous êtes des voleurs. Comment on peut vendre cailloux à 100 000 francs? Cailloux. Et il y a d'autres pasteurs qui coupent tête de leurs fidèles maintenant pour s'enrichir. Ils n'ont rien fait encore.
Quand on vous parle là, vos oreilles de lapin là, vous n'écoutez pas. Quand ils vont couper, vous tous, vos têtes là, on va voir comment vous allez vous déplacer. On vous prêche l'écriture, vous êtes en train de suivre des bandits. Alléluia! Mais je crois qu'un jour, les enfants de Dieu comprendront. Parce que c'est très difficile d'être compris par sa promotion quand tu sais ce que tu dis est vrai. Les vrais révolutionnaires, c'est quand ils passent là. Après le passé, quand on dit, oh, il avait raison. C'est la même chose. Convaincu que jamais que je viens de l'éternité, je retourne dans l'éternité. Amen. Mais mon passage sur la terre va laisser des empreintes indélébiles. Amen. Mes détracteurs eux-mêmes, ils sont au courant de ça. C'est ça. Je vous attends. Oui, frère. Joseph, son époux. Qui était un homme de bien. Et qui ne voulait pas la diffamer. Se proposa de rompre. Secrètement avec elle. C'est un sentiment de pitié, d'amour qu'il a eu vis-à-vis d'elle. Parce que logiquement, il devait saisir les anciens. Lui qui a sa chose, il doit être le premier à inaugurer ça. Parce que c'est ce qui doit être logiquement. Mais elle est tombée enceinte. Il y a une exception parce que c'est Dieu lui-même qui est en train d'accomplir une œuvre particulière. Mais toi, pour toi là, qui a accompli cette œuvre particulière? Amen, amen. Amen. Toi, pour toi là, qui a accompli cette œuvre particulière? Parce que dans la Bible, l'Écriture parle des vœux. L'Écriture parle des vierges. L'Écriture parle des femmes qui sont mariées. Mais toi, tu n'es pas vierge. Tu n'es pas veuve. Tu n'es pas aussi dans un foyer. Toi, tu es qui? Tu es une prostituée. Vous avez peur de dire ça parce que si vous dites ça, ils vont vous frapper. C'est votre affaire ça. Mais nous disons la vérité. Jean chapitre 8, le verset 32. Laisse-moi, tu vas aller revenir. 1 Corinthiens 7. Avant 1 Corinthiens, Jean chapitre 8. Jean 8, 32. Oui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous, notre devoir, c'est de dire la vérité. Amen. Même si c'est dur, c'est notre devoir de dire la vérité. Amen. Si ça ne vous plaît pas, c'est notre devoir de dire la vérité. Yes. Alors, frère, continue, Matthieu là. Comme Joseph y pensait. Voici. Un ange du Seigneur lui apparut. Et dit mon petit Joseph, fils de David, mon frère, tu as raison. Ne crains pas de prendre avec toi Marie. Voilà. Ta femme. Donc, elle est sa femme. Le Seigneur l'encourage par son ange de la prendre. Parce que ce qui vient de se faire là, c'est lui, Dieu lui-même, qui est entré en scène et qui vient accomplir une œuvre particulière avec Marie. C'est Dieu qui était en train de le faire. Maintenant, si ce n'était pas Dieu, Dieu n'allait pas se mettre au milieu. Il a laissé Joseph exécuter son plan. Oui, frère. Quand l'enfant qu'elle a conçu là. Vient du Saint-Esprit. Vous, votre cas là, on ne sait pas où c'est quitté. Oui, on continue. L'autre passage. 1 Corinthiens 7. 32-39. Écoutez ce passage encore. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié. Comment tu peux porter un habit? Un habit, tu t'avais acheté ça au marché sans toutefois essayer. Toi-même, là, quand tu vas acheter là, tu n'as jamais essayé. Les gars, ils aiment trop se compliquer la vie. Bande de voleurs. C'est quand moi, je vous dis que vous êtes voleurs là, c'est moi, je suis mauvais. Mais quand vous volez là, c'est pas mauvais. Vous-même, vous savez très bien que ce qui est dit est vrai, c'est ça que vous vivez. C'est ça. Vous couchez avec les femmes là, des hommes. L'hypocrisie notoire, Dieu vous jugera. Moi, au moins, si je dis ce qui est vrai. Moi, je dis ce qui est et qui est dans la Bible. Mais vous me combattez alors que vous faites ça. Vous êtes pire que le diable. Ça. Oui, frère. Celui qui n'est pas marié. S'inquiète des choses du Seigneur. Vas-y. Des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié. S'inquiète des choses du monde. Des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même. Si quelqu'un, une femme, écoute ma prédication et tombe en transe. C'est que vraiment ce jour-là, elle-même sait qu'elle est animée par Satan vraiment. Moi, faire tomber les gens en transe, il n'y a pas le but avec. Quand je parle là, sommet même là, te fuit. Tes yeux deviennent clairs. On te dit la vérité, puis tu tombes en train. Vous avez vu ça, vous ça. Alléluia. Parlez là, bébé. Vous attendez à quoi? Recevez. Depuis que toi tu dis que tu es courant, tu n'as jamais reçu encore. C'est moi qui attendais pour recevoir. La seule chose qu'elle doit faire, c'est de te dire la vérité. Pour que tu saches que
être chrétien là n'a rien à voir avec ce que tu fais déjà. Vas-y frère. Il y a de même. Il y a de même. Une différence entre la femme et la vierge. Ah bon? Donc c'est la Bible qui dit ça. Voilà. C'est la Bible qui dit ça. Oui. Donc il y a une différence entre la femme et la vierge. Vas-y. Celle qui n'est pas mariée. Oh, Ayoka. C'est des choses du Seigneur. Celle qui n'est pas mariée, c'est qu'elle a des choses du Seigneur. Afin d'être sainte de corps. Oui. Et d'esprit. Vas-y. Et celle qui est mariée. Celle qui est mariée. C'est qu'elle a des choses du monde. Donc la femme là, c'est celle qui est mariée. Et la vierge, c'est celle qui n'est pas mariée. La Bible elle-même donne la définition. Mais toi, tu n'es pas vierge. Tu n'es pas marié. Maintenant, troisième là, il y a ça devant là-bas. Elles sont appelées veuves. Mais toi, tu n'es pas aussi veuve. Tu ne veux pas qu'on dise qui tu es. Sorcière. Vas-y, frère. Celle qui est mariée. Si vous voulez, ne venez pas dans mon église. Je n'ai pas besoin de vous. Nous, on veut les chrétiens et les chrétiennes. Amen. Les vrais croyants de la parole de Dieu. Amen. Parce que je vais être convaincu que quand je prêche quelque chose, celui qui a ajouté foi, en mourant aujourd'hui, il va rentrer dans la présence du Seigneur. Amen. Il ne peut pas maintenir les gens dans le mensonge, les blagues. Oui, frère, faut lire. Celle qui est mariée. Celle qui est mariée. S'inquiète des choses du monde. S'inquiète des choses du monde. Des moyens de plaire à son mari. Des moyens de se pomader, se faire propre pour plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Alors, moi, ce que je dis là, c'est dans votre propre intérêt. C'est dans votre intérêt. Oui, frère. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. Ce n'est pas pour vous piéger. C'est pour vous porter. C'est pour vous porter. Ce qui est bien, Seigneur, est propre. Alors, pour que toi-même là, tu ne sois pas surpris, il est bon de connaître d'abord la pointure, le numéro de la chose. Mais si tu as acheté chaussures dans carton, tu n'as même pas pris le temps de contrôler. Alors que toi, tu as du pointure 43, arrivé à la maison, tu constates que c'est 45, tu fais quoi? Tu mets ton pied, ça va flotter. C'est quoi dans ce mariage-là, il y a flottement? Parce qu'on n'a pas pris le temps de se connaître. Alléluia! Les gens n'ont pas pris le temps de se connaître. Moi, je dis ce que la Bible dit. Je ne dis pas ce qui doit arranger les gens. Non, mais partout aujourd'hui, c'est comme ça. Nous ne parlons pas de ce qui se passe partout aujourd'hui. Mais nous parlons de ce qui est dans la Bible. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi quand arrivez là, vous ne dites pas non, ce n'est pas partout aujourd'hui? Pourquoi? Donc vous prenez une partie qui vous arrange. Vous prenez la partie qui vous arrange pas. Maintenant, vous qui pensez que je prends la partie de la Bible qui m'arrange, envoyez la partie qui vous arrange aussi, on va voir. Et quand ils n'ont rien à dire, ils prennent la Bible, ce qui les arrange, c'est ce qu'ils prennent. Toi, ce qui t'arrange, il faut venir avec ça. On va te montrer que tout nous arrange même d'ailleurs. Oui, frère. Je dis cela dans votre intérêt. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. Alors, dites à ces bandits qui disent qu'ils me cherchent, que je suis encore là. J'étais à la mission à San Pedro. C'est pourquoi je n'étais pas habillé, sinon je suis là. Je suis allé prêcher et évangéliser à San Pedro. On a une grande base là-bas. La semaine qui vient là, je serai à Vavoie. L'autre semaine, je vais aller à Nîmes-le-Cro. Je vais tourner partout en Côte d'Ivoire pour annoncer l'évangile. Yes. Mon problème là n'est pas de m'arrêter dans un autre coin, un seul coin. Oui, oui, fixer rendez-vous avec un bandit, un délinquant. Et puis moi, un digne fils du royaume, mon image va être associée, le blé va associer son image à l'ivraie. À quoi de quoi? Ici, ça n'appartient à personne. Personne n'a loué. Personne ne lance invitation à qui que ce soit. Tu tombes sur moi là. La guerre de la jungle, tu vas reculer doucement. Ce n'est pas une affaire de biceps et de triceps. Mais c'est, il est écrit. Confrontation de passage public. Quand tu vas quitter là, tu vas changer complètement de posture pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, je préfère m'afficher officiellement comme un escroc et un délinquant professionnel. Un pasteur, un des bandits comme ça là. Oui frère, moi répondre à votre invitation, vous me prenez pour votre ami. Oui frère. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter. C'est pour vous porter. À ce qui est bien séant. À ce qui est bien séant. Et propre à vous attacher au Seigneur. Et propre à vous attacher au Seigneur. Sans distraction. Si quelqu'un regarde. Comme déshonorant. Ou sa fille de dépasser l'âge nubile. Oui. Et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il n'y a pas de mal à ça. Il ne pêche point. Qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution. Aussi. Sans contrainte. Et avec l'exercice de sa propre volonté. Et qui est décidé en son cœur. De garder sa fille vierge. Donc tout commence par vierge. Donc si elle quitte l'étape de vierge, là c'est qu'elle est mariée. Mais vous n'êtes pas à l'étape de vierge, vous n'êtes pas aussi mariée.
C'est pourquoi vous n'aimez pas ma tête quand je parle. Mais c'est la Bible qui dit ça. Oui, frère. Ainsi. Ainsi. Celui qui marie sa fille. Celui qui marie sa fille. Fait bien. Fait bien. Et celui qui ne la marie pas. Oui. Fait mieux. Fait mieux. Une femme. Ah, une femme. Est liée. Donc il y a la vierge et puis il y a la femme. Après l'étape de femme, on va voir la troisième étape. Une femme est liée. Après l'étape de vierge, elle est directement mariée. Donc étant mariée maintenant, une femme est liée. Aussi longtemps que son mari est vivant. Que son mari est. Que son mari est. Vivant. Vivant. Maintenant. Mais si le mari meurt. Si le mari meurt. Elle est libre de se marier à qui elle veut. À ce stade-là, elle est maintenant veuve. Parce que l'homme qui a perdu sa virginité est mort maintenant. Mais vous-même là, vous êtes déjà gâté. C'est pourquoi vous m'en voulez. Mais vous-même, vous savez que ce qu'il dit est vrai. Quand vous-même, vous voyez. Parce que vous n'aimez pas faire le sérieux. À cause de l'argent, vous ne voulez pas rester tranquille. Aujourd'hui, tel garçon là va prendre dans sa poche. Des sorcières. Elles sont assises en train de faire les calculs. Comment faire pour au moins réunir 8 personnes ou 10 personnes qui vont donner 5 000. C'est comme ça qu'ils font les calculs. Vous-même, vous savez ça. Vous les prostituées là, vous savez ça. Vous les prostituées, vous savez. Quand vous prenez ici, prenez ici, prenez ici pour mettre dans vos poches. Cependant, je ne dis pas que vous allez aller en enfer pour ça. Si vous croyez en Christ, en vous faisant baptiser, vous êtes sauvés. Amen. Oui, vous êtes sauvés. Mais si vous restez dans cet état-là, vous mourrez, vous irez en enfer. Voici ce qui est clair. Alors ne m'en voulez pas, parce que toi-même, tu sais que tu n'es plus vierge, tu n'es pas aussi dans un foyer. Et tu n'es pas aussi veuve. Donc, toi-même là, tu veux qu'on t'appelle comment? Alléluia. Ne me confondez pas, c'est pas toi qui cherche à vous faire plaisir. Pour non, c'est une dame d'affaires, la largeur va donner l'argent. Elles sont fatiguées aujourd'hui. D'autres même en caniche, c'est entre elles maintenant, avec les bêtes. Il y a d'autres hommes aussi, c'est avec les amis garçons et les bêtes. Que Dieu vous maudisse à jamais. Oui, frère. Mais si le mari meurt. Si le mari meurt. Elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement. 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 Que ce soit dans le Seigneur. Non. Mon discours est purement orienté vers les personnes qui sont dans le Seigneur. Vous qui êtes dans le monde là, nous vous appelons à la repentance en croyant en Jésus-Christ pour que vous soyez sauvés. C'est tout. Alléluia. Amen. Oui, au suivant. 2 Corinthiens 11 et à 2. Même dans le domaine spirituel, pour parler de la célébration du mariage spirituel entre le Seigneur Jésus-Christ et son épouse et son église, pour parler de la célébration du mariage spirituel entre le Seigneur Jésus-Christ et son Église. La Bible nous présente cela. Christ comme étant l'époux. Et son Église qui doit se marier à lui comme une vierge. Tout commence ma virginité. Si le bon Dieu lui-même a préféré les bonnes choses, qui êtes-vous pour vouloir nous donner le restant de tous les cafards? Il lisait là-bas. Oh, non, je suis découragé de lui. Tu n'es pas encore découragé même. Tu n'es pas encore découragé. Ce que tu n'as pas encore entendu dans ton église là. Ce qui est dans la Bible là, je vais te faire entendre ça. Oui, frère. Si vous pouvez supporter de ma part. Si vous voulez faire quoi? Si vous pouvez supporter. Si vous pouvez supporter de ma part. Un peu de folie. Un peu de folie. Donc Paul a vu comme étant un fou quand il parlait. De la même façon vous me voyez là. Alors supporter cette folie là. Ah, quand même vous disiez la vérité. Oui, frère. Mais vous me supportez. Mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous. Paul dit quoi? Je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. D'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé. Je vous ai fiancé. À un seul époux. Pour vous présenter à Christ. Parlant des chrétiens, ils doivent être présentés à Christ. Comme une vierge pure. Comme une vierge pure. Oh, il y a une autre église qui n'est pas une vierge. Elle est la mère des prostituées. Babylone la grande. Féticheur va là-bas, il est à l'aise. Satan lui-même descend là-bas, il est à l'aise. Politicien va là-bas aussi, il est à l'aise. Babylone la grande, la mère des prostituées. Mais nous, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes une vierge pure. Alléluia. Nous lisons encore. Le livre de Matthieu 25. Matthieu 25, 1. Alors, le royaume des cieux. Le royaume des cieux. C'est ensemble à 10 vierges. Je ne parle pas ici du mariage physique, mais je parle du mariage spirituel entre Christ et son épouse. Cette épouse est vierge. Elle garde sa virginité
jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne pour célébrer le mariage avec elle. Il n'est pas question d'une dénomination prostituée au plan spirituel. De même qu'il y a les femmes vierges, fiancées au plan naturel, aussi au plan spirituel ça existe. De la même façon, il y a aussi prostituées au plan naturel, au plan spirituel aussi ça existe. Oui. Alors, prépare Babylone la grande, la mère des prostituées, Apocalypse 18. Alors, oui, frère. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Donc, pour prendre même l'image des personnes qui vont entrer dans le royaume des cieux, c'est l'image directement des vierges. Des vierges que l'Écriture prend. Des vierges que l'Écriture donne comme l'image de l'épouse du Seigneur qui doit aller à l'enlèvement, qui doit aller à sa rencontre, qui doit aller célébrer le mariage avec lui. Pas question de laisser les apostates, les antipas. Pas question de laisser les antipas, les antéchrists, les impies, les méchants enseigner des bêtises aux gens. Nous devons dire d'abord ce qui est dans la Bible. Nous devons enseigner ce qui est biblique d'abord. C'est après avoir entendu ce qui est biblique là. Si nous sommes d'accord que cela est la vérité, maintenant, entre nous les hommes, comme nous sommes dans une société, on peut faire une plaidoirie. Mais il n'y a pas de main. C'est vrai, main. Le main vient de Satan. Oui, frère. Alors, le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Sera semblable à 10 vierges. Sera semblable à 10 vierges. Et on prit la lampe. C'est bon, frère. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Après 18. Après le 17. Oui. 1 à 7. Hein. Puis un des 7 anges. Puis un des 7 anges. Qui tenait les 7 coupes vins. Prépare le verset 4 d'après 18. Oui, oui. Et il m'adressa la parole en disant. Il m'adressa la parole en disant. Viens, je te montrerai le jugement. Viens, je te montrerai le jugement. De la grande prostituée. De la grande prostituée. Qui est assise sur le sang. La grande prostituée. Sur son front. Sur son front. Était écrit un mystère. Était écrit un mystère. Babylone la grande. Babylone la grande. La mère des impudiques. La mère des impudiques. Et des abominations de la terre. Et des abominations de la terre. Elle là, elle reçoit tout le monde. Apocalypse 18:4. Il n'y a pas de frein. Tout le monde doit rentrer là-bas. Elle sert tout le monde. Une femme au service du peuple. C'est comme ça, ces femmes-là sont fières. De dire dans tel milieu, moi, j'ai couché avec lui là, j'ai couché avec lui là. Elles même font l'apologie. La nomenclature de leur palmarès, honte à vous. Et une telle sorcière, tu vas la prendre pour la mettre chez toi, sans toutefois savoir s'il y a eu 43 ou bien 49 qui est passé avant toi. Fais-vous là-bas. Soyez délivrés à jamais. Apocalypse 18:4. Oui. Et j'ai entendu du ciel. J'ai entendu du ciel. Une autre voix qui disait. Une autre voix qui disait. Sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. Mon peuple. Mon peuple. Afin que vous ne participez point à ces péchés. Les enfants de Dieu doivent sortir de Babylone la grande. Amen. Doivent sortir de ces églises apostates. Amen. Doivent sortir de ces systèmes archaïques. Doivent sortir de ces stratégies d'escroquerie. Mis sur pied par ces mafieux. Tout droit inspiré de l'enfer. Abat la religion. Abat. Maintenant. Un de ces jours-là, le Seigneur Jésus-Christ aussi avait prêché. Et arrivé à un certain moment, lisez un peu Jean chapitre 6, au revers. Au revers. Jean chapitre 6, à partir du verset 63. Jean 6, 63. Lisez maintenant. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites. Les paroles que je vous ai dites là. Sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Mais. Il y en a parmi vous. Il y en a parmi vous. Quelques-uns qui ne croient point. Quelques-uns qui ne croient point. Car. Jésus savait dès le commencement. Même pour croire en Jésus-Christ là, il y a des gens qui sont nés pour croire en lui. Et il y a d'autres qui sont nés pour ne pas croire en lui. Donc on ne doit même pas se fatiguer. Moi, ce que j'ai à faire, c'est de prêcher la vérité. Ceux qui sont de Dieu vont suivre la vérité. Vas-y, frère. Car Jésus savait. Alors écoutez-moi jusqu'à la fin. Avant de me juger, Jésus savait jusqu'à. Dès le commencement. Qui étaient ceux qui ne croyaient point? Oui. Et qui était celui qui les livrerait? Vas-y. Et il ajouta. Il ajouta. C'est pourquoi. Je vous ai dit. Que nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi. Si cela ne lui a été donné par le Père. Oui. Dès ce moment. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et il n'allait plus avec lui. Et il n'allait plus avec lui. Avec lui. Il n'allait plus avec lui. Alors vous qui vous êtes désabonné là, vous n'avez rien fait encore. Voilà. Jésus lui-même, la légion l'a abandonné. Toi, moi, tu t'es désabonné pour venir commenter encore.
Mais eux-mêmes là, ils ne sont plus revenus même. Sont plus... Tu n'as rien fait encore. Il faut aller te pendre, posséder. Vous n'aimez pas la vérité. Vous pensez que je suis là pour vous faire plaisir? Au jugement dernier, Dieu ne va pas se baser sur vos humains pour me juger. C'est ça. Si je passe là-bas, mais moi je vais passer devant le tribunal de Christ pour prendre mes récompenses. Alléluia. Alors, Jésus donc, dit aux 12. C'est bon frère. Il dit, la Bible dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples n'allaient plus avec lui. Donc, sur des milliers d'individus qui le suivaient là, il restait 12. Les 12 qui sont restés là encore là. Oui, lui. Oui. Et donc. Et il ajouta. C'est pourquoi je vous ai dit. Oui. Que nous ne pouvons venir à moi. Hein? Si ce n'est nous qui étions donnés par les pères. Oui. Dès ce moment. Plusieurs de ses disciples se retiraient. Il n'a pas dit un peu, hein, mais plusieurs. Et il n'allait plus avec lui. Jésus donc dit aux 12. Et vous. Et vous là. Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit. Il a demandé, mais ce qu'il a dit là, ça a scandalisé tout le monde, ils sont partis. Mais pourquoi vous êtes là encore? Lis un peu le verset 60 même. Verset 60. Oui. Plusieurs de ses disciples. Après l'avoir entendu dire. Voilà. Cette parole est dure. Donc les paroles de Jésus ne sont pas douces. Hein? Qui peut l'écouter? Ces paroles ne sont pas moules. Mais c'était. Dure. Après l'avoir entendu, plusieurs, il n'a pas dit un peu de ses disciples, mais plusieurs de ses disciples disent. Cette parole est. Dure. Qui peut l'écouter? Et Jésus sachant en lui-même. C'est bon frère. Amen. Donc on n'est pas là pour caresser les mentalités des gens. Donc à cause de vous, on n'a qu'à falsifier l'évangile. Maintenant je voulais dire ceci comme plaidoirie. Ça c'est ce que la Bible a dit. C'est ce que l'écriture a demandé. Mais à vous qui êtes déjà avec vos femmes. Alléluia. Amen. C'est une plaidoirie pour nos soeurs. Puisque la situation et les conditions de vie sont difficiles. Les choses sont dures. Tu aimes ta femme, vous êtes aimé. Tu aimes ton homme, vous êtes aimé. Restez ensemble. De nos jours, il est très difficile de trouver une femme qui est vierge. Parce que, quoi qu'on le dise, quoi qu'on en pense, elles toutes. Sur les 100% de femmes aujourd'hui, il y a au moins 99,99%. À moins que ce soit les petites filles. Mais j'apprends que parmi les petites filles là encore, il y a beaucoup de gâtements. Je ne le dis pas parce que je suis un client abonné de ces choses, mais c'est ce que nous voyons toujours, nous tous sur les réseaux sociaux. Moi-même qui vous parle, je ne prendrai pas l'exemple de quelqu'un pour ne pas que vous vous sentez frustré et que vous pensez que c'est de façon ciblée pour attaquer les femmes ou bien leur parler mal que je dis ces choses. C'est pas vrai. Mais je veux d'abord que nous disons ce qui est écrit. Voici ce que l'écriture a dit. Comme nous sommes dans une société et que la situation, la condition que nous vivons est très difficile, c'est pour faire pas une plaidoirie devant Dieu, mais envers les frères, pour les femmes, envers les hommes. Pour les femmes, c'est une plaidoirie. Toutefois, c'est la vérité de Dieu que je viens d'exposer. Comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 7, le verset 39. 1 Corinthiens 7, 39. Oui. Une femme est liée aussi longtemps. Oui. Que son mari est vivant. Jusqu'au verset 40. Vas-y. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Hein? Mais si le mari meurt. Elle est libre de se marier à qui elle veut. Oui. Seulement. Que ce soit dans le Seigneur. Le verset 40. Elle est plus heureuse. Elle est plus heureuse. Néanmoins. Si elle demeure comme elle l'est. Oui. Suivant mon avis. Il a fini de dire ce qui est la vérité. Maintenant, il donne son conseil de serviteur de Dieu. Vas-y. Il a donné des conseils par rapport aux réalités de son temps. C'est ça. Moi aussi, je vous donne un conseil. De faire une plaidoirie. Parce que la vérité de Dieu, elle est ce qu'elle est. On ne peut pas la cacher ni la couvrir. Je voudrais plaider pour nos sœurs et pour toutes les femmes qui sont dans une relation avec les hommes. À vous qui m'écoutez, ne les laissez pas sous prétexte que vous ne les avez pas prises vierges. Vous ne les avez pas trouvées vierges. Vous ne les avez pas découvertes vierges. Gardez-les. Parce que déjà, elles se sont engagées avec vous. Vous vous êtes déjà donné votre accord. Vous êtes déjà engagées. Aimez-les, continuez toujours de les aimer. Prenez soin d'elles, toujours. Soutenez-les, entretenez-les. Gardez vos femmes et que vos mariages soient gardés solidement.
Il ne faudrait pas que ce qu'il a dit vous ébranle, mais reconnaissez que c'est ça qui est la vérité. Amen. Alors c'est une plaidoirie que je fais pour vous les femmes, pour ne pas que vous pensiez que c'est de façon lapidaire. C'est de façon lapidaire que je fais une prédication ou bien une publication pareille. Mais c'est pour éveiller l'esprit des gens, pour montrer que le système et stratégie mis sur pied dans nos églises, parlant de mariage, n'est pas juste. Mais voici ce que la Bible dit. Alors, vous qui avez vos femmes, gardez-les. Soyez ensemble, aimez-vous, continuez votre relation dans la paix du Seigneur. Et que vos cœurs, d'ici là, n'a rien à voir avec ce que les gens enseignent aujourd'hui dans les églises. D'ici là, que la paix du Seigneur soit sur toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, quand on me dit qu'il y a une question, on va passer maintenant à la phase des questions et réponses. C'était là pour répondre à ces perroquets et en même temps aussi à ceux qui disent qu'ils ont lancé envie de recherche pour, contre moi. Je suis toujours là et j'annonce chaque jour sur ma page officielle. Gédéon de la Tchèque, tu vois, officielle. Chaque jour avant de sortir, je fais annonce 10 heures avant ma sortie. Pour que vous vous préparez, vous avez le temps pour venir là où je vais être afin de recevoir votre part de dose. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, frère. Je tiens à vous remercier, mon père. Parce que moi, je vous appelle mon père. Ah oui, c'est un reportage en direct. Mon frère, tout est partout. Et partout où vous serez, si en tout cas, j'ai la possibilité de venir. Je suis musulman, mais les chrétiens sont mes frères. Parce que le Coran m'enseigne, parce que j'ai l'habitude aussi de contredire certaines personnes, certains musulmans, mais comme mes frères. Parce que d'autres ont laissé le livre de Dieu pour se contenter que de beaux livres. Et ce que vous dites est parfaitement vrai, à part l'africanisme. Parce que quand il parle de la parole de Dieu, il te parle de la vie présente. C'est vrai. Ce qui n'est pas normal. Voilà. Et ce que moi j'aimerais savoir, c'est que est-ce qu'il est permis à un chrétien de manger de la chair de porc? Parce que Jésus-Christ a dit, moi je crois en Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit que c'est tout ce qui va dans la bouche va dans le cœur. Et tout ce qui vient de la bouche vient du cœur. Alors que dans Ésaïe 66, verset 14, il est dit que celui qui se sanctifie ne doit pas manger de la chair de porc et des souris, et de la souris, parce que ce sont des animaux abominables. Voilà, donc moi j'aimerais que vous m'expliquiez un peu. Ok, merci beaucoup. J'admire beaucoup votre sens de lecture, mais vous faites la lecture sans toutefois avoir la révélation. Jésus n'a jamais dit ce qui va dans la bouche va dans le cœur. Jésus n'a jamais dit ça. Parce que la direction de la bouche n'a rien à voir avec le cœur. Lisons le texte. Matthieu 15. Matthieu 15. Verset 17. Écoutez très bien le passage. Ne comprenez-vous pas? Ne comprenez-vous pas? Que tout ce qui entre dans la bouche. Écoutez bien. Tout ce qui entre dans la bouche. Pas dans le ventre. Et non pas dans le cœur. Mais dans le ventre. Oui. Puis est jeté dans les lieux secrets. Qu'est-ce qu'on appelle lieu secret, c'est. Voilà. Ça va jeter ça là-bas. Voilà. C'est là-bas, ça s'en va. Donc ça rentre dans la bouche et ça va dans le lieu secret. Ça ne va pas dans le cœur. Je sais très bien que le cœur faisant partie des constituants de l'organisme humain reçoit sa part de nourriture puisque c'est ce qui entre dans la bouche qui nourrit l'organisme de l'homme. Donc, si c'est dans ce sens-là, c'est vrai. Mais dit que quand on mange, ça va dans le cœur, c'est pas vrai. Oui? Mais ce qui sort de la bouche. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Voilà. Donc le cœur a son nom et puis le ventre a son nom. Donc le cœur est différent du ventre. Maintenant, ce qui concerne la viande de porc là. Il y a certaines choses que Dieu a interdites dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, ces choses-là sont autorisées. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10. Oui. Verset 25. Écoutez ce passage. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Voilà. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Sans vous acquérir de rien. Sans vous acquérir de rien. Par motif de conscience. Par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur. La terre est au Seigneur. Et tout ce qu'elle renferme. Et tout ce qu'elle renferme. Si le porc fait partie de ça, on tabasse ça. Sans état d'âme. Mais les anciens. Les anciens.
de l'Ancien Testament. Alléluia. Les anciens de l'Ancien Testament avaient un certain nombre de pratiques qu'ils devaient respecter. Parce que le sang de la purification n'était pas encore arrivé. Ils devaient observer certaines choses pour être pur et paraître pur devant Dieu. Mais la seule chose qui rend pur dans le Nouveau Testament, qui sanctifie dans le Nouveau Testament, Jean 17, verset 17. Sanctifie-les. Tout est pur. Sanctifie-les, Romain. Par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole. La vérité. Jean chapitre 15, verset 3. Préparez. Tout est pur. Oui. Déjà là. Vous êtes purs. Déjà vous qui m'écoutez, vous êtes purs. Parce que c'est ce que vous avez entendu. Voilà. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler à son peuple, en écoutant sa parole, en croyant à sa parole, en acceptant sa parole, tu es pur. On n'a plus besoin maintenant de s'abstenir de porc et autres qu'on sort. Sinon, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas porc seulement, même menstrué de femme. Quand une fois, il s'est menstrué, s'assoit dans un coin. Mais Jésus lui-même, là, pour montrer que tout cela est dépassé, il y avait une femme à la perte de sang. Elle perdait du sang durant 40 ans. Mais quand elle a connu le Seigneur, elle a touché la pente de sa robe. Et sur le champ, elle a été guérie. Il n'a pas dit, non, faut me toucher, tu es impur. Non, ce n'est pas vrai. Il y a les choses qui étaient valables dans l'Ancien Testament, comme ces gens de loi-là. Mais dans le Nouveau Testament, ça a pris fin. Alors que dans Matthieu 5, verset 17, et Jésus a dit quoi? Lisons Matthieu 5, 17. Voilà. Matthieu 5, 17. Matthieu 5. Matthieu 5, 17. Verset 17. Oui. Ne croyez pas. Que je sois venu pour abolir la loi. Oui. Ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Oui. Écoutez très bien ce passage. L'Écriture n'a pas dit, je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Non. Écoutez, reprends encore. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Et? Ou les prophètes. Donc la loi ou les prophètes. C'est plus réel, mais c'est singulier. Si ça doit être substitué à sujet, en personne de conjugaison. C'est plus réel. Vous voyez bien? Si par substitut, on doit remplacer la loi ou les prophètes, on doit mettre maintenant au pluriel. Les. L'Écriture dit quoi? Je suis venu. Non pour abolir. Il n'a pas dit non pour les abolir, mais pour accomplir. Et non pas aussi pour les accomplir. Non. C'est ça, les gens ne comprennent pas souvent là. Il y a certaines choses qui ont été écrites de Jésus dans la loi et dans les prophètes. Ce sont ces choses-là que lui est venu abolir. Plutôt, il n'est pas venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il est venu accomplir ce qui est écrit à son sujet. Ce n'a rien à voir avec la loi et les prophètes. Mais dans la loi et les prophètes, il y a des prophéties qui sont données à son sujet. Par exemple, il ne faut pas manger tant. Si tu es comme ça, tout cela portait sur la sanctification, sur la purification. Or, le vrai purificateur, celui qui doit porter la vraie purification, c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi il est venu aussi accomplir ça. Il est venu accomplir la loi de la purification. Lisez un peu Matthieu. Luc 24, 44. Puis Jésus l'a dit. C'est là ce que je vous disais. Quand il dit, je suis venu non pour accomplir, mais pour accomplir. Donc il est venu accomplir ce qui est écrit de lui. Donc il n'est pas question de la loi ou des prophètes. Mais dans la loi et les prophètes, il y a des choses qui le concernent, qu'il est venu accomplir. Or, la sanctification, la purification, s'abstenir de telle chose pour être pur devant Dieu, est une ombre. Parce que s'il mange la viande de telle chair, telle chose, il va être souillé. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit se conserver pur. Mais le seul vrai purificateur, celui qui apporte la vraie purification, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Par sa mort et son sang qui a coulé, il nous a purifiés. Oui, l'Écriture dit quoi? Puis Jésus l'a dit. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse. Tout ce qui est écrit de moi. Voilà. Tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi de Moïse. Dans le prophète. Je ne suis pas venu abolir le prophète ou la loi. Mais je suis venu pour accomplir. Donc il est venu accomplir ce qui est écrit de lui dans la loi des prophètes de Moïse. Dans les prophètes et dans les psaumes. Vous comprenez? Donc, ne s'abstenir de telle chose, donner à une seule chose. Ça partait sur un seul point. Comment faire pour que le peuple soit pur? Maintenant,
Il est venu là. Jean 15, le verset 3, là, réalisons encore. Déjà. Déjà. Vous êtes purs. Au lieu de dire, il ne faut pas manger porc. Si femme a eu ses règles, ses menstrues, ou bien si lui l'a fait comme ça, elle est pure. Non. Il dit déjà là, tout cela, laissez. Actes chapitre 13, le verset 37 à 39. Actes 13, 37 à 39. Oui, continue la lecture. Déjà. Oui. Vous êtes purs. Déjà, vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. À cause de la parole que je vous ai annoncé. Donc, désormais, en croyant en Christ, il te purifie. Tu n'as plus à observer, il ne faut pas manger porc, il ne faut pas manger viande. Oui. Acte 13, 37. Oh, lisez. Acte 37. Mais celui que Dieu a ressuscité. Mais celui que Dieu a ressuscité. N'a pas vu la corruption. N'a pas vu la corruption. Sachez donc. Sachez donc. Homme frère. Homme frère. C'est par lui. C'est par lui. Que le pardon des péchés vous est annoncé. Que c'est par lui, Jésus, là, que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que. Quiconque croit. Est justifié par lui. Quiconque croit est justifié par lui. De toutes les choses. De toutes les choses. Comme vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Voilà. Vous voyez maintenant. Malgré qu'ils n'ont pas mangé pas, ils n'ont pas fait ça, mais ils sont restés toujours souillés. Ils sont restés toujours pécheurs, impurs. Si vous me permettez, oui. Parce que dans Matthieu 5, verset 17, les lois qui ont été abolies lors de l'arrivée de Jésus-Christ ont été citées par Jésus-Christ. Tel que je donne un exemple, au temps de Pharaon, de Moïse, il était dit que si quelqu'un te giflait de la joue gauche, tu devais le gifler par la joue gauche. Œil pour œil, dent pour dent. Mais lorsque Jésus-Christ est arrivé, cette loi-là a été abolie. Donc si il veut comprendre, c'est œil pour œil, dent pour dent, là, c'est ça qui concernait Jésus. Mais, non, excusez-moi, ça a été aboli lorsque Jésus est arrivé. Ça ne doit plus exister. Jésus même a dit que même si. Mais il dit. Si tu es en conflit avec ton frère, avant d'entrer dans la temple, il faut aller lui demander pardon. Le test des œils que tu as lu là avait dit quoi? Le test de Daïk que tu as lu là avait dit quoi? De s'abstenir de porc et de souris parce que ce sont des animaux abominables. Et celui qui les mange va être impur. Mais il dit, c'est lui qui a dit, c'est Jésus là qui a dit. Si vous faites quoi maintenant? Au lieu d'aller chercher à laisser souris avec un porc là-bas là. Ça là c'est loin. Lui-même il dit ici. Que quiconque croit. Quiconque croit. Est justifié par lui. Jean chapitre 15, le verset 3. Quiconque croit est justifié par lui. De toutes les choses. De toutes les choses. Vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Pour nous les chrétiens, moi je ne suis pas musulman, je suis un chrétien. Pour nous les chrétiens, la conclusion pour atteindre la perfection selon Dieu dans les Écritures saintes, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est lui qui a joué tout le rôle. Ne pas manger souris, ne pas manger porc, parce qu'il peut arriver des temps difficiles où manger même va manquer. Donc, trouver un petit rongeur même, tu vas bondir sur lui pour le manger. On sait, j'arrive. Donc, pour ne pas mettre assez de fardeau sur nous, il nous demande que lui paye tout pour nous. Il nous demande simplement de croire en lui et nous sommes sauvés. Nous, les chrétiens là, nous sommes sauvés par Christ. Pareil pour tout le monde. Alors, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de loi qui a dit qu'il ne faut pas manger souris, il ne faut pas manger porc. Au contraire, il a dit manger de tout ce qui se vend sur le marché. C'est parce que les souris d'Abidjan ne sont pas bonnes choses. Sinon, quand moi j'étais au village, je mangeais souris. Les souris de champ, là, je mangeais. Et je mange ça et puis je parle. De Dieu, actuellement, il n'y a rien. Pas que même là, quand on va finir tout à l'heure, on va manger pas que vous. Ah, Gabriel quoi? Mangez Gabriel! Voilà. Non mais quoi, c'est sinon on allait clasher. L'attaquer l'islam un peu. Ok! À bas la religion, à bas. Les systèmes archaïques, à bas. La dénomination, à bas. La gloire, à Jésus. L'élévation, à Jésus. La domination, à Jésus. Le règne, à Jésus. Maranatha, Jésus le Dieu. Maranatha. Jésus le Dieu. Alors, tous ceux qui ont des questions, vous pouvez passer un à un. Okay. Ils appellent comment Caïen. Il est venu. Oui, mon doigt. Bonsoir. Bonsoir. Bon, ça fait un bon moment que tu très beau vidéo. Oui. Je suis convaincu et c'est un plaisir de vous voir face ce soir. Je veux savoir si le pasteur a une église où je parle le dimanche, je prie avec lui. Nous avons plusieurs bases. Nous avons plusieurs bases. Mais notre QG central, notre quartier général, c'est à Bobo à vos quartiers. Le coin est devenu tellement petit, puisque la Chine populaire est vraiment devenue populaire. Le coin ne nous contient plus. Donc on cherche à délocaliser
pour venir à Yepougou ainsi dans un grand coin. Sinon, nous avons des bases, plein de bases. Ici en Côte d'Ivoire, on a plein d'églises, on a plein d'assemblées. Donc, on va vous donner les contacts. Les assemblées dans les villes, partout ici en Côte d'Ivoire, même à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, comme au Burkina Faso par exemple. Nous avons une assemblée à Ouaga, nous sommes allés en mission là-bas une année, on a fait un mois et demi, on a évangélisé, prêché l'évangile à l'université Joseph Kizerbo. Il y a eu des convertis au quartier Padoua, on a évangélisé là-bas. Donc, nous bougeons. Maintenant, vous qui êtes habillés ici, vous pouvez venir à Bobo, à vos quartiers. Voilà. Je voulais avoir une déclaration sur la fin du monde et le paradis. La fin du monde et le paradis. Quelqu'un me disait un jour que tant qu'il veut la procréation, tant que l'homme et la femme coucheront ensemble pour faire des enfants, oui, il n'aura jamais la fin du monde. Qui a dit ça? Un monsieur m'a dit ça un jour. Je voulais savoir si c'est vrai. Est-ce que la fin du monde existe? Si oui. Ce monsieur-là, c'est quelqu'un que Dieu n'aime pas. Parce que tout ce qui a eu un commencement aura forcément une fin. Toute histoire qui a eu un début aura forcément une fin. Quelle que soit la durée d'un match, même s'il y a prolongation et tir au but, forcément on va siffler la fin. C'est comme ça. Ce n'est pas le monde que Dieu a créé qui va prendre fin. Si c'est que nous les humains on fait, mais ça prend fin. Maintenant, au sujet de la procréation, il y a un temps qui viendra où Dieu va mettre fin à la procréation là-même. Lisons un peu. Matthieu 24. Les prophéties des fins de la terre. Le temps de la fin. Matthieu 24. Verset 1. Oui. Comme Jésus s'en allait. On sortit du temple. Oui. Ses disciples s'approchaient et lui fait remarquer la construction. Oh, la lecture n'est pas. Matthieu 24, premier. Oui. Comme Jésus s'en allait. Aujourd'hui, au sorti du temple. Ses disciples s'approchèrent. Pour lui faire remarquer la construction. L'architecture, la beauté architecturale du temple. Mais il a dit. Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici. Pierre sur pierre. Il ne soit renversé. Après chapitre 20. Le verset 1 jusqu'au verset 4. Il ne restera pas ici de pierre. Sur pierre qui ne soit renversé. Vas-y. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et il va commencer à dire ceci. Et les disciples en particulier lui font cette question. Moi je suis un chrétien. Et nous les chrétiens nous croyons ce que notre rabbi a dit. Notre rabouni a dit. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit. Nous le croyons, c'est pourquoi nous le suivons. C'est quoi nous annonçons et partons sa campagne. Oui frère. Dis-nous. Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Vas-y! Et de la fin du monde! Donc le monde va vraiment prendre une fin. Oui? Jésus a répondu. Il va maintenant nous donner les signes annonciateurs de la fin du monde. Les caractéristiques événementales ou d'actualité qui vont nous permettre de scinder ou d'appréhender vraiment la fin du monde. Quand ça sera là? On ne vous dira même pas ça. Parce que vous-même, vous allez voir ça far. Quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire ici, là, on pouvait informer quelqu'un pour dire qu'il y a crise en Côte d'Ivoire. Alors que toi-même tu es là. Brûle que toi-même tu entends la rue, tata, bouh. L'homme a souffert aussi quand même. M'a attrapé. Pour dire c'est lui-là qui parlait la Sorbonne mal aux gens. Marcher sur ma main, il y a les traces ici. Dieu merci, il y a un de là qui dit non, il ne parle pas de politique, mais lui, il parle de la Bible. Mais ils m'ont giflé un peu quand même. Bon, j'y plais un peu quand même. Au terminus du bus 205, engrais, ils m'ont frappé un peu quand même. Dieu merci, je suis vivant. Parce que c'était juste que moi, on me tue parce que je n'ai pas fait la politique. Moi, je traquais les faux pasteurs et les faux croyants dans ce pays. Et c'est ce que je continue de faire. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Amen. Oui. Jésus a répondu. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Quand plusieurs viendront sous mon nom disant. Oui. C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Le Seigneur dit quoi? Vous entendrez parler de guerre. Parler de guerre. Est-ce que quand il y a guerre là, toi-même tu attends de te procréer? Quand il y a guerre, tu as quel temps pour te procréer?
On vous entendrait parler de guerre. Et de bruit de guerre. Et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublé. Gardez-vous d'être troublé. Car il faut que ces choses arrivent. Oui. Mais ce ne sera pas encore la fin. Est-ce que guerre va commencer? Il n'a pas dit c'est la fin, mais dit c'est. Ce ne sera pas encore la fin. Ce qu'on appelle échauffement. Avant d'entrer sur le terrain là. Il y aura bruit de guerre. Ça, c'est échauffement d'abord. Une nation s'élèvera contre une nation. Ce qui s'est passé là, c'est entre les Ivoiriens. Mais la Bible dit une nation contre une autre nation. Mais la troisième guerre mondiale va commencer entre l'Amérique et la Russie. C'est quand l'Amérique sera affaiblie, son orgueil sera brisé par le roi de Gog et de Magog, le roi du Nord. C'est ce jour-là, vous comprendrez que la fin est vraiment proche. Vas-y frère. Une nation s'élèvera contre une nation. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume. Contre un royaume. Les gens disent que la plus grande puissance militaire mondiale, c'est la Russie, c'est l'Amérique. C'est l'Amérique. Et puis en Syrie, là, ils n'ont pas pu. Quand on dit que tu es plus grand là, ça veut dire que partout tu veux faire la loi, tu fais la loi là-bas. Mais qui les a fait reculer en Syrie? Qui a divisé l'Ukraine en deux? Ça veut dire qu'il y a un plus fort qui est en train de monter en puissance. C'est pourquoi aussi en Côte d'Ivoire ici, il y a un véritable vent au plan de la chrétienté qui est en train de souffler. Rien ne peut tenir devant ce que nous sommes en train de faire. Amen. Quelle que soit ta force, ton ardeur, ta haine, ta rage contre nous, quand on va ouvrir la Bible pour commencer à parler, tu vas fuir. Tu peux t'asseoir, on va te dire tout ce qu'ils veulent contre nous. Monter ta tête, faire tout ça de montage, faire tout ça de commentaires contre nous. Mais quand tu vas tomber sur nous là, ce jour-là, tu comprendras que l'Amérique n'est pas la plus grande puissance mondiale actuellement. Alléluia! Amen. Dieu bénisse Poutine. Parce qu'il est venu pour établir l'équilibre de la terreur dans la jungle. Amen. Et ce que Poutine en est en train de faire, je ne dis pas que c'est lui qui va être la chose, mais sa démarche entre dans les prophéties annonçant la chute des USA. C'est ça. Moi, je ne dis pas à quelqu'un, Dieu m'a dit. Mais nous, on parle de ce qui est écrit. Amen. L'Amérique va être brisée, son orgueil va être aplani doucement, doucement par la Russie. Ça va un peu, c'est ça? Oui, ça va. Sinon, l'homme, il n'aura même pas. Lisons même le pas. Oui. Et il y aura en divers lieux. Il y aura en divers lieux. Des famines. Des tremblements de terre. Dans le tremblement de terre, tu as quel temps même pour monter? C'est ça. Coco là même, la va devenir pire. Tout oui. Cela. Tout cela. Ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On dit, ce qu'on vient de citer là. Une nation va attaquer une nation. Des famines en divers lieux, tremblement de terre là. Il dit que ça sera le commencement de la douleur. Commencement. Donc, on n'a même pas encore commencé même là. On n'est pas rentré en plein vif même. On n'est même pas encore rentré dans le vif même du sujet. Alors, c'est bon. Alors, deuxième question. Deuxième question. Un témoin de Jéhovah me disait que Babylone était située à 80 km de Bagdad en Irak. C'est-à-dire que Jésus, Adam et Ève étaient au jardin d'Éden, mais c'était au Moyen-Orient. Que pour lui, le paradis sera, si l'Égypte sera sur la terre. Qu'est-ce que le pasteur aujourd'hui pense du paradis qui sera sur la terre? Beaucoup de personnes pensent que ça sera au ciel. Quand quelqu'un dit que le paradis est au ciel, moi je ne sais pas sur quoi les gens se basent. C'est de ramener la terre à son état originel, tel qu'il était en Éden. C'est de ramener ça là. La Bible a dit, Jésus viendra pour rétablir toutes choses. S'il n'a plus rien à faire sur la terre, il va venir rétablir toutes les choses. Pourquoi? Mais il revient pour lier non seulement. Lisons après chapitre 20. Apocalypse 20. Oui. Puis. Je vis descendre du ciel. Je vis descendre du ciel. Un ange. Avec la clé de l'abîme. Oui. Une grande chaîne dans sa main. Une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Qui est le diable et Satan. Et il est lié pour 1000 ans. Il va le lier pour 1000 ans. Donc, le paradis là va durer 1000 ans. C'est ici. Oui. Parce que les gens confondent le paradis, le règne messianique et le règne de l'éternité. Mais ça, c'est quand vous serez baptisé qu'on va vous enseigner ces choses. Sinon, il y a une nette différence entre la christogonie et la théogonie. Amen. Je vous dirai ça quand vous serez baptisé. Wow. Ok, merci frère. Mister Guédé. Monsieur, bonsoir. Je voudrais des précisions de certaines choses de la Bible que je n'avais pas.
C'est sur le mariage. Si le chrétien doit se marier à plusieurs femmes, c'est sur le père. À vous qui m'accusez que tu dis toujours la même chose. Il a répondu ça 20 000 fois. C'est pas moi que je suis là en train de me poser. Il y a des bâtards, des maudits de la malédiction, des bâtards, de la bâtardise qui me disent que depuis là, toi, tu répètes toujours la même chose. Mais s'il y a toujours même question, vous voulez qu'ils disent quoi? Vous-même, vous avez quel problème? Si tu n'as rien à faire, faut foudre le camp. Je ne t'ai pas demandé de m'écouter. Va te faire foudre ailleurs. Un an, vous répétez toujours la même chose. Mais si vous me posez la même question, quelqu'un me demande comment tu t'appelles. Et puis il va dire, je viens de Fakobli. Vous-même, vous trouvez ça comment? S'il y a 1000 personnes qui me demandent, tu viens d'où, je dirais tout, je viens de Fakobli. Il va dire ça 1000 fois. Il est venu poser la même question que hier, il a répondu. Même avant de commencer là encore, il a parlé de ça. Il est venu poser la même question. Vous voulez qu'il dise quoi? Répète ta question, je vais la répondre. Il n'y a pas de l'eau. Je disais que je voulais savoir, tout à l'heure vous avez dit, pour ceux qui se marient, pour le mariage, est-ce qu'un chrétien peut se marier à plusieurs femmes? Et ma deuxième question, c'est sur le paiement de la dîme. Et la troisième, j'ai trouvé en cours, le jeune prêtre est en train d'annoncer tous ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et tout, les infos baptême. Je voulais avoir, de ces trois, je voulais avoir un peu. Oui, il n'a qu'à reculer alors, comme tu vas amplifier sa voix, il n'a qu'à reculer. Le monsieur dit qu'il voudrait savoir en ce qui concerne la polygamie et de deux, le paiement de la dîme, c'était bon. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je commence par là où il a terminé. Le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Non, il n'a qu'à rester là-bas. C'est pour prendre sa voix. C'est qui envoie? Ouais, Mobali. Ouais, Zambé a pas mon yo. Moi, j'aime beaucoup le Nigala. À tous nos frères congolais, je vous salue au passage. Mobilisez-vous, dans un peu de temps, je viendrai au Congo. C'est un pays que j'aime beaucoup. Parce que là-bas, quand je vois les débats qui sont faits au Congo, c'est trop chic. Ici, là, il y a un groupe que je ne peux pas parler de lui. Sinon, dès que je quitte ici, on va tirer sur moi. Mais là-bas, je vois toujours vous clasher. Mais priez Dieu pour que j'arrive là-bas, pour venir en appui aux chrétiens. Le jour où je vais arriver là-bas, c'est ce jour-là, l'autre groupe là-bas nous attend. Quand je parle comme ça, il dit donc tu as peur alors. Tu as peur qu'on te tue. Toi qui n'as pas peur qu'on te tue, il faut aller te mettre en bas de voiture. Des bâtards comme ça. La mort, là, toi tu penses que c'est une bonne chose. Va en bas de voiture, tu n'as pas peur de mort, non? Vous avez fui le pays pour aller vous exiler, vous cacher en Europe. Et vous dites, hey, donc tu as peur de mourir. Si toi tu n'as pas peur, tu as fui le pays, pourquoi? Même dans la Bible, même Jésus lui-même, quand il est né, Dieu même a demandé à ses parents de le prendre pour quitter le pays, donc aller en Égypte pour se cacher. Jésus même qui est Jésus. Dieu ne voulait pas qu'il meure. Donc il avait aussi peur de la mort. Quand Jésus prêche et puis les gens veulent le Syrie, la Bible dit il se cache et puis fuit. C'est écrit. Donc c'est moi, je vais me livrer ma vie. Facilement comme ça. Si on vient m'attaquer, ça c'est autre chose, mais moi-même me livrer comme ça. Oui, vous me cherchez durant des années là, je suis arrivé maintenant. Alors qu'il y a des bandits, leur seul prix actuellement là, ils font la délation. C'est-à-dire, ce qu'on appelle la dénonciation par vengeance et par haine. Et c'est leur travail actuellement. Tout ce qu'ils veulent entendre, l'État de Côte d'Ivoire n'a qu'à se lever pour mettre la main sur moi. Oh, ils l'ont attrapé parce qu'hier, il a attaqué les musulmans. Mais je ne regrette pas ce qu'il a dit contre les musulmans. Parce que c'est eux-mêmes les documents qui avaient dit ça. Alors pour le moment, comme les tensions sont vives, c'est le débat qu'on fait avec les musulmans, c'est un débat qui crée assez de sensations. Moi, je connais mon tempérament, il n'y aura rien. Mais est-ce qu'ils vont se maîtriser? Alors, pour ne pas qu'à partir de moi, alléluia, amen, amen. Pour ne pas qu'à partir de moi, il y ait une guerre religieuse dans la Côte d'Ivoire, je m'abstiens, c'est tout.
Sinon, le même esprit est là. Alors, j'ai pris Dieu pour arriver un jour au Congo. Ça sera l'intéressé là-bas. Je vois les frères congolais qui font des débats, c'est trop chic. J'ai pris Dieu que la Côte d'Ivoire devienne comme ça un jour. Où on aura la liberté de s'exprimer sur les antennes devant tout le monde. Sans que la vie de l'individu ne soit menacée. Et je crois que la Côte d'Ivoire tend à ça. Parce que quand je vois plusieurs chaînes qui sont créées aujourd'hui, qui sont en train d'être créées, c'est une très bonne chose. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Que les ennemis de la Côte d'Ivoire fassent sur eux là-bas aussi. Mais le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un baptême qui ne sauve personne. Monsieur Guédé, vous-même qui êtes arrêté là, si vous prenez la Bible, vous ne verrez pas un passage où c'est écrit noir sur blanc que quelqu'un une fois a été baptisé au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Il y a un seul baptême reconnu par les Écritures. Il y a un seul baptême dont la Bible parle. C'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un passage où le Seigneur a donné recommandation à son peuple, à ses disciples, d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais il y a quelque chose qui a échappé aux gens dedans. Lisons le passage. Matthieu 28, verset 19 dit quoi? Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Au nom du Père. Est-ce que Guédé suit? Vous faites quoi? Non. Non, ne me filmez pas. Si vous voulez, allez-y sur ma chaîne pour récupérer ça là-bas. Il y a les gens actuellement qui cherchent à faire tout pour me nuire. Parce que sur le terrain de la parole, ils sont vaincus. C'est ça. Dans l'affaire des doctrines que je prêche là, ils ne peuvent pas se présenter devant moi pour me confondre. Donc ils vont s'asseoir pour réfléchir, inventer les mensonges. Donc je ne sais pas, vous êtes de quel bord, prends mon image pour aller faire mon taille, on ne sait jamais. Parce qu'il y a des gens, ils ont pris mon image, ils ont enlevé ma voix, et puis ils mettent d'autres voix. C'est pas bon, c'est pas gentil comme ça. Comme leur intention est mauvaise et que leur intention n'est pas basée sur la vérité, Dieu ne fera pas prospérer ce qu'ils font. C'est vrai. Le Seigneur me gardera toujours pour prêcher sa parole. Amen. Par leur objectif n'est pas de me confondre et me montrer que je suis dans le faux, mais parce que je dis la vérité et ça les dérange, leur objectif c'est de me nuire. L'homme ne meurt qu'en son temps. C'est ça. J'aurai des ennuis quand Dieu aura voulu. Pour l'heure là, sa main est sur moi et cette étoile qui me conduit brille encore à mille feux. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors l'écriture dit quoi? Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. L'écriture est claire. La Bible dit de baptiser au nom du Père. Père n'est pas un nom. Au nom du Fils. Fils n'est pas un nom. Au nom du Saint-Esprit. Saint-Esprit n'est pas un nom. Il y a quelqu'un qui est Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit, c'est dans son nom que la Bible demande de baptiser. Quel est ce nom-là? Alléluia! Luc 24, le verset 43. Luc 24, 45. Alors Jésus l'a vu l'Esprit. Luc 24, à partir du verset 43. Il l'a pris. Oui. Et il a mangé devant eux. Jésus a fini de manger avec ses disciples après sa résurrection. Puis il a dit. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que ça s'accomplisse. Oui. Tout ce qui est écrit dans moi de la loi de Moïse. Tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Dans le prophète. Me concernant. Oui. Il a ouvert l'esprit. Il l'a ouvert maintenant. Afin qu'il comprisse les écritures. Donc pour comprendre les écritures, il faut que le Seigneur ouvre ton. Donc quand il dit baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit là, si ton esprit n'est pas ouvert, tu ne peux pas comprendre. Ce sera difficile pour toi pour comprendre. La difficulté sera grande pour toi de comprendre. Mais pour comprendre, il faut que le Seigneur ouvre ton esprit. Oui, frère. Afin qu'il comprisse les Écritures. Et il a dit. Ainsi il a écrit. Que le Christ souffrira. Et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour. Et que la repentance. Et le pardon des péchés. Il ne dit plus maintenant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais dit la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom. Donc le Père, le Fils,
le Saint-Esprit n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi il est dit de baptiser au nom de celui qui est Père. Quand on dit, quel est le nom de ton Père? Toi aussi tu répètes, quel est le nom de ton Père? Quel est ton nom? Toi aussi tu réponds aussi, quel est ton nom? Et c'est comme ça. C'est une équation qui est posée. Il faut la résoudre. Comme on dit, A plus B égale. Toi aussi tu mets égal, A plus B égale. Vous comprenez? Donc le baptême authentique chrétien dans toute la Bible a été fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acte 2, 37 à 42. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Il dit à Pierre, et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? Pierre l'a dit, Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas dit maintenant, non, du Père, Fils et l'Esprit. Oh, toi et moi, nous n'étions pas là. Quand Jésus disait ça, mais ceux à qui le Seigneur a dit ça là, regarde comment le premier baptême a été fait. Ça veut dire que Père, Fils et l'Esprit ne sont pas des noms, mais ce sont des attributs que porte un individu. Et son nom propre, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi le baptême doit être fait en son nom. Même dans Colossiens 3, le verset 17, par exemple. Et quoi que vous fassiez, en parole, ou en œuvre, faites tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, le baptême est un acte chrétien qu'on pose. Comme regarde ces passages-là, quand il chasse Satan, s'il y avait possibilité de le chasser d'ailleurs, quand il chasse Satan dans l'église, il dit, Satan, on te chasse au nom de Jésus. Il n'a jamais dit au nom du Père, Fils et l'Esprit. Ça veut dire qu'eux-mêmes sont conscients que Père, Fils, Saint-Esprit et puis Jésus-Christ là, il y a quelque chose qui n'est pas trop ça. Et c'est l'éclairage qui manque là, que nous on vient t'apporter là. Amen. Vous comprenez? Maintenant concernant la dîme, j'entends les gens raconter ça et là que le chrétien ne doit pas payer la dîme, que la dîme c'est l'Ancien Testament. Bon, quand on leur demande aussi, mais c'est quoi le Nouveau Testament? Ils disent c'est la libéralité. Ce n'est pas libéralité. Hein. Dans le Nouveau Testament, là, tout ce que tu as sur toi, tu dois déposer ça. Entre ça et puis la dîme, qu'est-ce qui est sévère? Monsieur Guédé, entre donner la dixième partie et puis donner tout ce qui est sur toi, là, qu'est-ce qui est dur? Ah, vous êtes sûr que si on dit avant de participer ici, là, chacun doit donner tout ce qui est sur lui, vous croyez que les gens vont venir s'arrêter ici? Dieu qui est collé dans la poche comme ça là, ça va sortir facilement. Non, ne vous blaguez même pas. C'est ce qui se faisait. Sinon, donner la dixième partie, je crois qu'elle arrange et le Coran de l'Ancien Testament et le Coran du Nouveau Testament. C'est ce qui est juste. Sinon, ce que les apôtres ont fait là, parce qu'il y a un couple qui est venu donner de façon trichée là. Je vous explique. Hier, c'est un exemple. Hein. Hier, le frère qui est là, il a eu 600 000. Et d'après ce qui est écrit, il doit apporter tout et il a apporté tous ses 600 000 francs. Lui-même là, il se peut qu'il retourne même à 10 000 à la maison. Et on partage l'église là. Les serviteurs de Dieu se servent d'abord et puis on partage un peu à chacun. Il y a un monsieur, avec sa femme, ils sont allés vendre leur terrain. Ils ont vendu le terrain à 5 millions. Là, il dit à sa femme, il dit, ah bébé, si on va tout dire là, c'est pas fait. Vous avez vu hier comment. Pour le frère là, c'est 600 000 envoyés là, il y a eu 20 000 frères dedans. Donc, on n'a qu'à partager à deux. On garde la moitié et puis on s'en va avec la moitié. Donc, quand ils sont arrivés avec la moitié, c'est l'homme d'abord qui a demandé sa femme. Alors, il dit, ouais, alléluia, le Seigneur m'a béni. Je suis venu apporter tout ce qu'il y a eu. On dit, tu as eu tout quoi? Il dit 2 millions 5. L'esprit, le Seigneur a ouvert l'esprit de ses serviteurs, les apôtres. Et puis, il a pris la parole pour dire, tu es sûr que c'est tout ce que tu as eu? Il dit, je le jure au nom de Dieu. C'est tout qui est là. Et de, comme tu mens au Seigneur, tu penses que c'est un homme que tu mens. Maintenant même là, tu vas mourir. Et il est tombé, boum, il est mort. Les autres ont regardé à côté. C'est quelle église ça? À cause de ce propre argent, on le tue. Hein? Dis-moi mieux alors. On dit, non, vous avez dit que vous ne voulez pas aller dans l'Ancien Testament. On ne va pas dans l'Ancien Testament. Reste dans le Nouveau Testament, vous allez mourir un à un. Sa femme est venue aussi. Quand ils sont allés enterrer son mari, sa femme est venue. Parce qu'elle a dit, attends, là-bas, il y a deux sœurs.
Il m'avait d'abord arrivé à 2h après, il faut venir, il ne faut pas aller à sa soeur, ils vont nous attraper. Quand elle est arrivée, on lui demande, chérie, bonsoir. Oui, bonsoir la soeur. Alléluia, le Seigneur glorieux. Moi, mon mari, il a fini de rendre son témoignage. Le Seigneur nous a béni. Vous avez eu combien? 2,5 millions. Tu es sûr que c'est ce que vous avez eu? Elle dit, au nom du Seigneur Jésus, frère, homme de Dieu, je le crois, c'est ça. Il dit, comme toi aussi, tu t'es associé à ton mari pour mentir au Seigneur. Ceux qui sont allés enterrer ton mari là, ils sont en route. Ils vont aller t'enterrer aussi. Elle est tombée, bouh, elle est morte. Les autres ont dit, ça c'est l'église, ça. À cause de leur propre argent, ils ont tué le monsieur et sa femme. Vraiment. Bon, la loi de Moïse avait dit qu'on est 10 ans partis, mais eux sont venus à combien? On doit donner tout. C'est pas bon. Donc pour éviter ces dégâts-là, la Bible dit de donner sa dîme. Parce que ce sont les deux extrêmes qui sont dans la Bible. Ce sont les deux extrêmes. Soit tu donnes tout ce que tu as, ou bien tu donnes la dîme. Il n'y a pas de l'à peu près. Maintenant, après avoir donné la dixième partie, si maintenant tu veux faire offrande ou bien don, ça c'est autre chose. Vous comprenez? Alors c'est ça qui est la vérité. Voilà. Cette histoire de femme-là, restez tranquille. Restez tranquille. Vous-même là, la situation du pays est compliquée. Et vous voulez avoir beaucoup de femmes, c'est ça qui vous intéresse seulement. Une femme que tu as là, tu as des problèmes pour la gérer. Vous ne vous assoyez pas. Jusque là, c'est un seul pain qu'elle porte, avec une seule jupe. Et toi-même là, tellement tu n'as pas les moyens pour les entretenir, quand tu sors, ce sont celles qui brillent même dehors là que tu dégages. Or, si tu entretenais ce qui est à la maison là, ça serait encore chic. Alors, entretenez vos femmes qui sont à la maison, c'est mieux. Vous attendez à quoi? Celui qui a les moyens maintenant et qui d'abord s'est occupé bien de la première femme. Elle a sa maison, elle est chez elle et qui veut prendre une autre femme. En ce moment-là, tu as les moyens. Mais un bandit qui dort encore au salon, tu as enceinté enfant des gens et tu es encore en train de dormir au salon, c'est toi qui viens parler de polygamie. Feu sur toi, sois délivré. Sois délivré, frère. Alléluia! Gloire! Autorité! La domination! Le règne! Tous ceux-là qui voudraient savoir là où nous sommes pour prendre leur baptême, nous vous invitons à partager les contacts sur ce que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse l'Afrique. On sera ici jeudi.